Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au studio Gabriel pour ce nouveau numéro d'On n'est pas couché. Évidemment, comme chaque samedi soir, à mes côtés, vous retrouvez Vanessa Burgraff et Yann Moix. Bonsoir Vanessa, bonsoir Yann. Avec vous, Vanessa et Yann, nous recevrons ce soir pour la partie politique d'On n'est pas couché le député maire de Chantilly, secrétaire général du Parti Républicain, monsieur Éric Woerth. Mais laissez-moi vous présenter dès maintenant ceux qui vont descendre sur ce podium et défiler dans notre Fashion Week à nous. D'abord, une actrice et réalisatrice qui a tourné avec les plus grands, de Tavernier à Claude Miller, en passant par Sauté, René, Verneuil. Derrière la caméra aussi, on lui doit de beaux succès comme Le Fils Préféré, Place Vendôme, L'Adversaire ou Un Balcon sur la Mer. Ce soir, elle vient nous présenter son 8e film en tant que réalisatrice, Mal de Pierre, avec Marion Cotillard et Louis Garrel entre autres. Le film sort le mercredi 19 octobre prochain. Voici chez nous Nicole Garcia. Nicole Garcia qui a réalisé Mal de Pierre avec Marion Cotillard et Louis Garrel, entre autres. Bienvenue Nicole, merci d'avoir accepté notre invitation. Accueillons aussi un navigateur, oui, et un skipper français surdoué au palmarès déjà impressionnant, vainqueur du Vendée Globe en 2013. Il avait seulement 29 ans, il n'a cessé d'enchaîner les performances depuis Route du Rhum en 2014, Transat Jacques Vabre l'année suivante, jusqu'à sa première victoire sur multicoque en solitaire dans la Transat anglaise au printemps dernier. Il se raconte dans un livre qui s'appelle « Rêver large », c'est publié chez Stock. Voici François Gabart. François Gabart qui publie Rêver large chez Stock. Bienvenue. La traversée du studio est réussie déjà. Accueillons encore deux acteurs, encore jamais réunis sur les planches. Elle a reçu deux fois le Molière de la meilleure comédienne pour Qui a peur de Virginia Woolf ou La vie devant soi. Lui, il a démarré avec Chéreau. Il a joué aussi bien du Fedo, du Labiche, le chanteur de Mexico, qu'inconnu à cette adresse. Aujourd'hui, les voilà ensemble à l'affiche du théâtre de l'Atelier, dans la pièce Le Chat, adapté du roman de Georges Simenon. Voici Jean Benguigui et Myriam Boyer. Jean Benguigui, Myriam Boyer, dans une pièce mise en scène par Didier Long, tirée d'un roman de Georges Simenon, adapté par Christian Lyon et Blandine Stinzi. Bienvenue à tous les deux, c'est à l'Atelier. Accueillons un autre duo. Un duo devenu spécialiste de la bande dessinée politico-humoristique. L'un est dessinateur et directeur de Charlie Hebdo. L'autre est l'avocat du même hebdomadaire, mais également scénariste de BD. Après le succès de leur premier album, La face cachée de Sarkozy, ils publient maintenant La face crachée de Marine Le Pen aux éditions Grasset. Une enquête à la fois documentée et irrévérencieuse, évidemment, sur la présidente du Front National. Voici Rhys et Richard Malka. Rhys et Richard Malka, les auteurs de La face crachée de Marine Le Pen. Un nouvel album de BD dans le pur esprit de Charlie. C'est chez Grasset. Merci à tous les deux d'être ici. Signalons aussi que Saïd Maran, qui est journaliste au Point, a évidemment travaillé avec vous sur cet album consacré au Front National, car c'est un spécialiste du FN pour l'hebdomadaire Le Point. C'est bien ça, Rhys, je ne me trompe pas? Oui, exactement. Ouais. Ouais. Bon, vous, c'est votre première fois chez nous, monsieur Gabart. Oui, tout à fait. Et je sais que vous attendez la météo pour pouvoir repartir avec votre bateau. Exactement. On a Qu'est-ce que vous attendez? Enfin, je vous demande de partir maintenant, mais... Non, non, j'ai bien compris qu'il ne faut pas que je parte ce soir. Alors... J'ai compris le message. Et j'attends un peu de Mistral pour partir donc avec le trimaran massif de Marseille à Carthage. Ah, il a déjà réussi à placer le sponsor, ah, ouais. Il est très fort. Non, ça s'est fait, voilà. Non, mais voilà, j'essaye de battre le record de la traversée de la Méditerranée en solitaire, donc en multicoque. Voilà, il faut aller le plus vite possible de l'Europe jusqu'à l'Afrique, donc de Marseille à Carthage. Jean Benigui a réussi la traversée de la Méditerranée, oui, mais dans l'autre sens, il y a quelques années, hein, Jean. Oui, oui, mais moi j'ai été propulsé par un coup de pied au cul, comme ça. Évidemment. Bah, Nicole Garcia connaît aussi le sens de cette traversée. Le même coup de pied. Vous êtes tous les deux d'ailleurs. Les deux rangs, tous les deux. Vous connaissiez Jean Benigui et Nicole Garcia? Non, pas non, du non. tout. Vous savez, des Benigui, il y en avait 17 dans les classes et des Garcia 32 à peu près. Alors évidemment. Alors, je suis en train de regarder tous les invités, là, d'essayer de voir si vous avez des bijoux sur vous, parce que j'espère que vous n'avez pas été trop angoissé, évidemment, à l'idée de venir jusqu'ici, hein, devoir traverser Paris, cette ville inquiétante, hein, en termes de sécurité, c'est ce que tout le monde nous dit. Bon, François Gabart, la petite traversée de Paris, ça ne peut pas forcément vous inquiéter, vous êtes habitué. Mais c'est vrai qu'avec ce qui est arrivé à Kim Kardashian cette semaine,
Ah oui, j'en vois qui commencent à me dire Kim. Bah oui, Kim Kardashian, quand même, tout le monde la connaît aujourd'hui. Mais il faut reconnaître qu'avant qu'il lui arrive ce braquage et saucissonnage en pleine Fashion Week dans notre capitale, tout le monde en France ne s'intéressait pas forcément à Kim Kardashian. Alors définitivement, pour ceux qui feraient encore un blocage, voici un petit résumé pour rappeler qui est vraiment Kim Kardashian. Kardashian. Kim Kardashian. Kimi. Qui es-tu, Kiki? Née en 1980 dans les faubourgs de LA, Kim, l'artiste en devenir, débute sa carrière comme comédienne dans un film d'auteur exigeant avec peu de dialogue, mais beaucoup de sentiments. Ses qualités sont indéniables, son talent incontournable. Aussi, la télévision lui tend immédiatement les bras et lui confie le rôle-titre d'une émission hautement culturelle dont les inconditionnels se comptent rapidement par millions. Kim, la puritaine, l'intellectuel timide et réservé, devient alors icône, phénomène de la culture pop. Le monde est à son chevet. Kanye West, le gentleman rappeur, aussi. Les médias l'adorent, la mode l'adule pour son style chic et sobre, et les internautes suivent sa vie palpitante sur les réseaux sociaux. Mais Kimi garde les pieds sur terre. La grosse tête, très peu pour elle. Le bling-bling, encore moins. Tantôt mère, tantôt femme d'affaires, Kim Kardashian, une personnalité finalement plus attachée qu'attachante, dont la discrétion a dû rendre compliquée son agression. Mais quand même, avec près de 162 millions de followers, n'aurait-elle pas dû se rendre compte qu'elle était suivie? Voilà. Vous ne pouvez plus faire comme si vous ne connaissiez pas Kim Kardashian. En gros, pour résumer, Kim Kardashian, c'est une sorte de Nabila qui a réussi. Le problème, c'est que c'est le QI de Nabila avec le compte en banque de Bernard Arnault, vous voyez le souci. Kim Kardashian, c'est une sorte de Rachida Dati avec 20 kilos supplémentaires et 5 tailles de soutif en plus. Il paraît quand même que les agresseurs lui ont posé un pistolet sur la tempe. Alors, vous allez me dire, sur la tempe, bon, il est où le danger pour Kim Kardashian? Mais là où les braqueurs ont fait fort, c'est d'arriver à saucissonner Kim sans lui faire péter un sein. Et ça, il fallait le faire, quand même. Nicole Garcia, je pense que vous avez autre chose à faire que de vous occuper de Kim Kardashian. Mais personne n'a pu échapper à cette information. Non, personne, non. Non, non, ça vous a fait peur, vous-même? Non, non, pas vraiment. Portez pas trop de bijoux, non, tout va bien. Non. Non, c'est pas très bon pour Paris, on se dit, c'est pas très bon pour... On y reviendra, j'aurai la réponse à cette inquiétude, Nicole. Jean Benguigui, vous la connaissez, Kim, évidemment. Oui, oui. La intimement. Bon, on m'a dit que quand les flics sont arrivés pour faire le constat, elle était encore attachée, ils cherchaient la fille, ils ont vu un roast beef. Parce qu'il est... C'est un bonheur, évidemment, pour les dessinateurs. Je me tourne vers Rhys, mais aussi vers Richard Malka, puisque c'est vrai que les dessinateurs, cette semaine, s'en sont donnés à cœur joie avec Kim Kardashian. Oui, on a fait ce qu'on a pu, mais on se lasse quand même un peu vite, quoi. Bon, elle a beau avoir un gros cul, c'est le sujet est léger, quand même. Ah ben, regardez, voilà. Le sujet a été repris par quasi tous les dessinateurs. Ce dessin de Goubel dans VSD, Kim Kardashian cambriolée, fesse gauche, fesse droite. Pétillon pour le canard enchaîné. Kim Kardashian, 161 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, et on a voix qui dit « Et toujours pas de tweet des voleurs ». Dans Charlie Hebdo, votre hebdomadaire, Villemain, très bon dessin, évidemment, en référence à « Je suis Charlie », les Français sont solidaires, « Je suis Kardashian ». Et toujours dans Charlie, Fuchs aussi a signé ce très beau dessin, « Kardashian par rancunière, j'aime Paris ». Alors justement... Vous avez mis le doigt dessus, Nicolas Garcia. On a entendu toute la semaine, particulièrement l'opposition, évidemment, dire « Ah là là, voilà, c'est à cause d'Anne Hidalgo, Paris n'est plus en sécurité, c'est sa faute à la maire de Paris, les Américains ne vont plus vouloir venir chez nous. » On peut les comprendre, les Américains. C'est vrai qu'il ne se passe jamais rien chez eux. Ils vivent dans un pays sans aucun danger. We just saw another plane coming in from the side. Les tirs ont éclaté ce matin dans une université en Virginie, faisant à cette heure 32 morts. Une douzaine de personnes ont été tuées lors d'une prise d'otage dans l'État de New York. C'est la plus grande base militaire américaine. C'est là qu'hier, un officier a ouvert le feu dans un bâtiment. Une fusillade avait eu lieu dans une école du Connecticut. This is the viewpoint seen by many of the 26,000 marathon runners who are approaching the finish line. More than 80 people in Ferguson and St. Louis areas under arrest
La piste de l'attentat évoqué après la fusillade qui a fait 14 morts en Californie. Un homme a ouvert le feu dans une discothèque située à Orlando en Floride. Troisième nuit consécutive de violence dans la ville de Charlotte après l'homicide d'un citoyen noir par un policier. Et voilà la réponse à vos angoisses. Vanessa Burkhardt. Évidemment, ça va quand même avoir un impact, on pense quand même sur le tourisme, malgré tout, en France. Mais surtout, c'est que ça sera du pain béni, sans doute, pour Myriam El Khomri, parce que si les chiffres du chômage sont mauvais pour le mois de septembre, on mettra ça sous le compte du braquage de Kim Kardashian et l'impact sur le tourisme. Et le chiffre d'affaires de la joaillerie, évidemment. Riz ou Richard Malka, un commentaire quand même sur Paris qui serait plus dangereux que les États-Unis et qui ferait peur aux Américains. Il faut arrêter de dire n'importe quoi, quand même. Oui, il faut vraiment que NKM n'ait pas digéré sa défaite pour reprocher ça à Anne Hidalgo. Vous êtes d'accord? Heureusement, en tout cas, que Trump n'est pas encore président des États-Unis, parce qu'il aurait été capable de faire bombarder Paris en représailles à ce qui est arrivé à Kim Kardashian, quand même. Je vous signale que c'est dans la nuit de dimanche à lundi qu'a lieu le deuxième débat Clinton-Trump. Clinton, paraît-il, aurait déjà prévu d'attaquer Trump sur ses impôts. Hein, on connaît l'histoire, il n'en aurait pas payé depuis 18 ans. Et Trump, lui, envisage d'attaquer Hillary Clinton sur sa vie privée. Autant dire que ceux qui pensaient assister à un débat d'idées peuvent rester au lit demain. Hein, je vous jure, pas la peine de vous relever la nuit. Voici en exclusivité, d'ailleurs, dans On n'est pas couché, le résumé du débat qui n'a pas encore eu lieu. Comment peut-on faire confiance à un homme qui n'a pas payé ses impôts pendant 18 ans? Comment peut-on faire confiance à une femme qui crache ses poumons et qui ne tient plus debout dès qu'elle a un rhume? Oh, comment peut-on faire confiance à un beau filet de trait avec un petit pois sous la moumoute? Comment peut-on faire confiance à une coincée du cul, trompée toute sa vie par un pervers démocrate? Un petit cigare, peut-être? Oh my god! C'est vous, le vieux cochon qui se tape des poufs communistes. Ce n'est pas votre physique de castor qu'elles aiment, c'est votre pognon abruti. Vieille bique. Blaireau. Cocu. Trou du c***. Espèce de grosse p***. Voilà, c'est à peu près le niveau du débat qui aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi. D'ailleurs, je vous jure que si Donald Trump est élu, je quitte les États-Unis et je reviens vivre en France, hein, malgré ce qui s'est passé avec Kim Kardashian. Non, franchement, le monde entier est dans un sale état, en fait, faut le dire. Alors souvent, on dit oui, mais c'est à cause de ceux qui gouvernent. Non, c'est à cause de ceux qui les élisent. Moi, je vous jure que je finis par douter du bien fondé de certains régimes démocratiques. Regardez le résultat du dernier référendum en Colombie. Le président en exercice, M. Juan Manuel Santos, a demandé aux Colombiens de voter pour ou contre l'accord de paix avec les FARC. Après 50 années de guerre, 260 000 morts, 40 000 disparus, il y avait un accord de paix possible. Et qu'est-ce qu'on dit la moitié des Colombiens à 50,2%? Ah non, on veut pas la paix. Enfin, ceux qui sont allés voter encore, parce qu'il y a quand même 62,6% de Colombiens qui se sont abstenus. Faut qu'ils arrêtent la drogue en Colombie, non, franchement. 62% des Colombiens à qui on a demandé pour ou contre la fin de la guerre et qui, en gros, ont dit « Ah ben non, foutez-moi la paix avec vos questions ». C'est quand même incroyable. Alors, le pire dans tout ça, c'est que maintenant que la majorité des Colombiens a voté non, le chef de l'opposition, M. Uribe, qui lui-même ne pensait pas qu'il obtiendrait un tel résultat, alors qu'il a tout fait, évidemment, pour que les gens votent non, ben maintenant, il est en train de négocier avec le président pour que, quand même, soit signé, malgré le référendum, un accord de paix avec les FARC. Je vous jure, c'est à douter de l'utilité du référendum. Je ne vous parle même pas du référendum en Hongrie pour ou contre les migrants. 98% ont voté contre les migrants, mais il n'y a même pas eu 50% de votants. Seulement 39,8% de participation. En fait, c'est bien de faire voter le peuple, mais uniquement quand il est du même avis que ceux qui gouvernent, autrement, ça ne sert à rien. Regardez, il y a plein d'exemples. On va évidemment pas revenir sur le référendum qui a validé le Brexit en Angleterre, mais il y a déjà tout un tas de juristes qui réfléchissent à comment on pourrait l'annuler, ce référendum. En France, c'est pas mieux. Quand on a eu en juin dernier un référendum sur Notre-Dame-des-Landes et le fameux aéroport, le oui l'a emporté, mais il y a des tas de gens qui aujourd'hui remettent en cause le référendum en disant que la question avait été mal posée. Et je vous parle plus du référendum chez nous en 2005 où les Français avaient voté non à la Constitution européenne sans que personne, ni Sarkozy ni Hollande, ne suivent le résultat du référendum. Bref, il faut être clair, à part les Suisses, il n'y a pas un pays où ça sert à quelque chose le référendum. D'ailleurs, il est temps ici ce soir de faire un vrai référendum. Êtes-vous pour ou contre les référendums? Alors, je vous demande à chacun de voter. Nicole Garcia, vous avez devant vous un bulletin, oui ou non? Alors, la question, parce que... On m'a pas prévenu. Attention, ah ben, il faut réfléchir. La question est toute simple. Êtes-vous pour les référendums? Oui ou non? Êtes-vous pour les référendums? Oui ou non? Alors, vous votez quoi, Nicole?
Oui, pour les... alors pourquoi, faut m'expliquer quand même, pourquoi vous êtes pour les référendums? Non, oui, c'est tout. Ah bah, oui, comme ça, parce que vous, vous aimez dire oui. Vous dites oui facilement. Pourquoi François Gabart. Parce que je suis pour le bulletin secret. Ah, d'accord, alors, très bien, on n'en saura pas plus. Myriam, vous voyez. Ah bah, moi, c'est oui. Hein. Oui. Pourquoi? Oui, parce, alors pourquoi? Parce que je pense que, bah, comme ça, on peut donner son avis. Oui. Mais apparemment, ça ne sert à rien. C'est mais ça. Pour soi, c'est peut-être bien. Jean Benguigui, Jean. Moi, je dis oui parce que... Parce qu'il faut dire, parce que ça peut quand même faire une analyse de l'opinion, quelque chose comme ça, voir voilà. Oui, non, c'est pour un thermomètre. Quoi. Oui, pour l'instant. Alors attention, Richard Malka. Alors moi, je vote résolument non. Voilà. Expliquez-moi pourquoi. Parce que je suis pour la démocratie représentative, parce que le référendum, c'est un espèce de populisme, parce que si vous interrogez le peuple sur des questions très techniques ou très émotives... voilà, par exemple, en Colombie, comment vous analysez-vous ce résultat? Non, mais c'est, vous faites un référendum sur le rétablissement de la peine de mort, on votera pour le rétablissement de la peine de mort. Vous faites un référendum contre les migrants, on votera contre les migrants. Vous faites un référendum sur des questions techniques comme la sortie de l'Europe, on votera pour la sortie de l'Europe, parce que c'est toujours le populisme qui passera mieux. Donc non, je suis pour la démocratie représentative. On vote pour des représentants qui font... les lois, c'est ma vision des choses. Et la déresponsabilisation sur le peuple, c'est une lâcheté aussi. Rhys, alors pas tort, hein, moi, je vote les deux, moi, oui et non. Voilà. Alors, pourquoi oui et non, alors? Parce que des fois, on a envie de voter pour un référendum, puis des fois, on n'a pas envie, voilà. Yann Wax. Oui et non également, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi. C'est que oui, car il est bon de... Par exemple, la Ve République a été pensée comme ça. Le pouvoir exécutif est très fort. De temps en temps, il faut désasphyxier le pouvoir qui peut être capricieux. Donc c'est un moyen d'interroger les gens. Mais, donc là, j'y suis favorable. Mais s'il n'oblige pas, si les résultats du référendum sont méprisés, soit parce qu'on bidouille la question en amont, soit parce qu'on refuse les conclusions en aval, alors ça ne sert à rien. Oui au référendum qui oblige les dirigeants. Vanessa Burgraff, De Gaulle, par exemple. Moi, je vote non pour les référendums. Je pense qu'il faut arrêter avec les référendums. Pierre Moscovici a eu cette phrase que je trouve tout à fait juste. Les référendums, ça blesse, ça divise et ça n'apporte aucune solution. Je dirais même que ça apporte des emmerdes. Alors, donnez-moi à l'urne. Merci, Vanessa. On va évidemment maintenant donner le résultat. Oui, non, non, franchement, vous pensez quand même pas que je vais vous donner le résultat. On s'en fout du résultat d'un référendum, de toute façon, franchement. Allez. Heureusement, en France, on a Emmanuel Macron qui va tout changer à ce qui se passe dans les institutions. Il veut tout changer, Emmanuel Macron. Il l'a dit en meeting à Strasbourg cette semaine. Il a fait un diagnostic du pays. Bon, on aurait plutôt besoin d'un traitement, mais après tout, s'il faut passer par un diagnostic, pourquoi pas? Attention, M. Macron n'est pas encore candidat à l'Élysée. Il se lance dans une tournée de meeting, il fait un diagnostic, il élabore un programme. Bon, pour un mec qui ne veut pas être président, il est sacrément bosseur quand même. Mais il faut reconnaître qu'au niveau du renouvellement de la vie politique, il est quand même, c'est vrai, après tout, mieux placé que Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Alain Juppé. D'ailleurs, on peut difficilement dire le contraire. On a d'un côté Macron, le chauve à l'américaine, et Juppé, le chauve à la française. En fait... C'est pas gentil. Emmanuel Macron, faut le dire, Emmanuel Macron est passé par la primaire Brigitte. C'est elle qui l'a désigné candidat et c'est tout ce qui compte pour Emmanuel. D'ailleurs, on aimerait bien savoir combien Brigitte lui a mis sur 20 pour son meeting à Strasbourg. Et oui, il dérange, monsieur Macron. D'ailleurs, les 730 millions d'euros de TGV commandés par François Hollande, c'est pas du tout pour sauver Alstom, c'est pour faire chier Macron avec ses autocars. Toujours est-il que commander à Alstom des TGV dont on n'a pas besoin pour les faire rouler à petite vitesse sur des lignes qui ne sont pas adaptées, on sent que M. Hollande veut vraiment inverser la courbe du chômage. Il a donc sauvé, hein, faisons le calcul, 700 emplois en dépensant 700 millions. Tant qu'à faire, il aurait eu mieux fait de donner directement 1 million à chaque salarié et l'affaire était réglée entre nous. Après tout... Si on passait des commandes publiques à chaque plan de licenciement, ce serait génial comme méthode. Vous imaginez, pour sauver, souvenez-vous, le Jabi, tous nos fonctionnaires auraient été rhabillés par le gouvernement comme ça et ça aurait sauvé l'entreprise. Non, arrêtez. Arrêtez avec ces images parce que si jamais le pape François regarde l'émission, on va avoir des ennuis. Il va encore croire qu'on est à donf dans la théorie du genre. Bon, il a dit une connerie, le pape, hein, il faut le dire, c'est comme ça, ça lui arrive. Hein. Il a affirmé que la théorie du genre était enseignée dans nos écoles. Il a tout simplement cru ce que quelqu'un lui avait dit. Bon, en même temps, c'est son truc au pape de croire sans pouvoir forcément vérifier. Sinon, il serait pas pape. Et puis... C'est vrai.
Et puis, c'est sûr qu'au Vatican, ils ne risquent pas de confondre les hommes avec les femmes, puisque des femmes, il n'y en a pas. Et c'est vrai que dans l'Église, on fait bien la différence entre les hommes et les femmes, à tel point d'ailleurs que les hommes ne couchent qu'entre eux. Mais il faut que le pape François se rassure. En France, on sait très bien faire la différence entre un homme et une femme. Il suffit juste d'avoir le bon manuel scolaire. Petite leçon de genre catholique. Le monde est divisé en deux catégories d'êtres humains, les hommes et les femmes, et ce depuis le commencement. Tout d'abord, apprenons à reconnaître un homme d'une femme. L'homme doit s'habiller de façon virile en privilégiant la sobriété des couleurs. La femme, elle, se distingue par ses proéminences mammaires et sa longue chevelure. Les petites filles portent des robes et les petits garçons aussi. Mais quand ils se promènent en forêt, les petits garçons portent des shorts et les petites filles, ben aussi. Plus tard, la femme s'occupera des enfants. Mais parfois, ce sera aussi l'homme, ce qui prouve bien qu'hommes et femmes sont égaux. En résumé, l'homme a été créé à l'image de Dieu et la femme à l'image de... bah de Christine Boutin. Pas de procès en vue. Je me tourne. Je me tourne vers l'avocat, Richard Maïka, pas de procès en vue. Pas de procès pour l'instant. Non, tout ce que j'ai dit, normalement, je ne devrais pas... Mais je vais surveiller ça. ...avoir d'ennuis. Je me méfie de vous, Charlie Hebdo, parce que j'ai encore des ennuis à cause d'un dessin que j'ai diffusé dans cette émission. Je ne vais pas remontrer le dessin qui représentait un étron, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, mais nous, on avait été poursuivis, et moi, j'ai obtenu le relax de Charlie Hebdo. Mais alors, parce que, alors, vous avez... C'est mon avocat qui est nul, alors? Non, absolument pas, mais moi, j'avais été devant le juge d'instruction, et puis j'avais dit, mais nous, on ne sait pas ce qu'il fait, Ruquier, qui nous montre le dessin, on n'était pas au courant. Oh, les salauds, mais vous êtes lâche. Totalement lâche. C'est dégueulasse. Alors que moi, je suis toujours emmerdé. Pour un dessin, rappelons-le quand même, signé Charb, qui n'est plus là, puisqu'il a évidemment péri dans cet attentat à Charlie, je tiens à rappeler à Marine Le Pen qu'elle voulait défiler ce jour-là avec les autres pour dire « Je suis Charlie ». Eh bien, Madame Le Pen, vous êtes toujours en procès pour quelqu'un qui a été tué dans ces attentats, et c'est son dessin que j'avais montré ce jour-là. Voilà, je voulais le rappeler. Sur la théorie du genre, on lui a raconté n'importe quoi au pape, alors Vanessa Burgra, vous qui êtes habillée en pape aujourd'hui. Non, moi je suis scandalisée quand même que le pape se mêle finalement des affaires d'un État laïque, je veux dire, c'est pas son rôle. Et puis ce pape, on le disait finalement moderne, et moi je trouve qu'il est réac comme tous les autres, voilà. C'est deux pas en avant, trois en arrière. Exactement. C'est un peu ça. Je voudrais montrer cette BD, puisque j'ai démarré avec vous, je continue. Ça s'appelle « La face crachée » de Marine Le Pen. Il y avait eu la face carchée, à cause du karcher, évidemment, de Nicolas Sarkozy. Pourquoi passer de Nicolas Sarkozy à Marine Le Pen? Pourquoi elle? Alors, RIS, peut-être, d'abord. Pour l'élection qui arrive, c'est le personnage un peu central. Enfin, tout tourne autour d'elle. Enfin, on peut le regretter, mais c'est comme ça, quoi. Tous les débats d'idées tournent autour un peu du Front National. Donc, c'était... Un peu comme d'ailleurs on l'avait fait pour Sarkozy, c'était aussi l'homme qui montait quand on avait fait la face cachée de Sarkozy. C'était un peu celui par qui le scandale arrivait, on va dire. Alors vous imaginez tout ce qui va se passer jusqu'à l'élection, mais même... En revanche, on ne sait pas contre qui elle est au deuxième tour. Ça, c'est évité, on va dire, comme sujet. Comme je ne lis pas dans le marc de café, je ne sais pas qui sera son opposant. Donc on garde le flou sur cette question-là. Mais peu importe, parce qu'en réalité... La question, c'est qui est Marine Le Pen? Alors voilà, et vous y répondez dans cette BD. C'est à la fois drôle, mais instructif. Quand on ne connaît pas bien déjà la vie politique et le passé de Marine Le Pen, mais on apprend quand même encore quelque chose, même quand on connaît bien. Ça a été votre cas, Yann Moix, d'ailleurs? Je ne peux pas dire que j'ai appris grand-chose, parce que comme on fait ce travail avec vous, on est obligé de lire les gens. Mais en revanche, ceux qui veulent des informations extrêmement précises trouveront là-dedans de quoi se documenter. Et le burlesque, le vrai burlesque, c'est ça. C'est quelque chose de drôle sur un fond de documentation très sérieux. Et je veux dire une chose, Rhys vient de dire un truc incroyable, il a dit un peu comme Sarkozy avant. Si on fait des choses pas sérieuses sur Marine Le Pen, c'est justement parce qu'on commence à la prendre au sérieux. Vanessa Burgraff, vous avez aimé la face cachée de Marine Le Pen? Moi j'ai beaucoup aimé parce que d'abord c'est très drôle, vous croquez formidablement bien tous ces personnages. Et puis c'est très instructif aussi, c'est une vraie enquête sur le système Le Pen, sur la personnalité de Marine Le Pen, sur ce parti, sur ses divisions. La seule chose qui m'a gênée, c'est que je trouve que vous en faites un personnage très sympathique et d'une certaine manière vous jouez un peu le jeu de la... Des diabolisations.
voilà où ça nous amenait la diabolisation, l'arc républicain totalement opposé, le fascisme, le nazisme, tout ça ne marche pas. Elle est passée de 10% à 20%, puis à 30%, puis à 40%. Voilà le boulevard que cela a créé. Donc la diabolisation, ça ne marche pas, mais la dédiabolisation, c'est la communication. Ah, oui. Et c'est aussi ça que l'on voulait montrer. Et notre approche, c'est de ne pas être dans des postures, c'est de ne pas être dans des leçons de morale. On a voulu vraiment éviter ça, mais c'est d'informer en faisant rire. Et vous avez raison, Yann. On a travaillé avec un journaliste spécialiste du Front National. C'est extrêmement documenté. Mais c'est une autre manière de prendre les choses, c'est de montrer les contradictions de ce personnage, le fait que ce soit un personnage complètement marketé, cynique, comme les autres, avec les mêmes affaires judiciaires que ceux qu'elle dénonce, et avec des contradictions comme il n'en existe d'aucun autre parti. C'est chez Grasset, en tout cas, la face crachée de Marine Le Pen, une bande dessinée qui va cartonner, comme avait cartonné la face crachée de Nicolas Sarkozy. Au cinéma, non pas mercredi prochain, mais mercredi en 8, comme on dit, le 19 octobre, sortira le nouveau film de Nicole Garcia. J'ai dit le 8e tout à l'heure, je ne me suis pas trompé dans mes cours. C'est ça, c'est juste. C'est déjà le 8e film que vous réalisez, Nicole Garcia, Mal de Pierre. Un film, je dois dire, merveilleusement accueilli à Cannes, puisque vous étiez présente sur la croisette. Sauf que là, ça y est, je crois que vous allez être tranquille, Nicole, ce soir, parce que mes camarades parlent quasiment de chef-d'œuvre. Vous allez y revenir, mais d'abord la bande-annonce du film qui sort donc mercredi 19 octobre, Mal de Pierre, le nouveau film de Nicole Garcia. Nous serons nus. Je m'allongerai sur vous. Vous entrerez en moi. Qu'est-ce que vous avez à me regarder là ? Gabriel ! Vous avez rencontré ma fille aînée ? Oui, elle est belle. Je ne vous mens pas, elle est malade. Elle n'est pas folle. Elle a besoin d'un homme dans sa vie. Vous voulez vous marier avec moi? Vous êtes fou. Je vous aimerai jamais. Madame Rapascal Gabriel, vous êtes là pour 6 semaines. Ce dont vous souffrez, c'est ce qu'on appelle la maladie de la pierre. Bonjour. Je fais la cure. Moi, je descends jamais avec des malades en bas. C'est le livre que vous lisez? Oui. Mon amour, ton corps m'a envahi. Je ne fais qu'attendre. Tu n'as pas encore répondu à mes lettres. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je veux qu'on parle. Pourquoi tu m'as rien dit? Mais de quoi tu parles? Signé Nicole Garcia, adapté d'un roman qui portait le même titre d'ailleurs, signé Milena Agus. Comment vous aviez eu ce roman en main? Je dois dire, ça va peut-être vous surprendre, qu'il avait eu un bouche à oreille formidable, ce livre chez nous en France. Il était même arrivé jusque moi, je l'avais lu à l'époque. Comment vous l'aviez eu, vous, ce livre? Et pourquoi vous avez eu envie de l'adapter? Un ami m'a conseillé de le lire un jour que je prenais un avion par Marseille. Ouais, voilà. Et je l'achète dans Réléache, le temps du voyage. J'ai appelé mon producteur en arrivant à Marseille, Alain Attal. Je lui ai dit, voilà, j'ai lu un livre, demande où en sont les droits. Et puis voilà, il a eu la même... Et voilà, maintenant je pourrais dire pourquoi, qu'est-ce qui m'a attrapé dans ce livre, mais voilà, quelque chose qui m'a... Comme une évidence. Et dans le gisement du livre même, oui, qui était ce destin de femme et quelque chose que je devais chercher et que j'ai trouvé là dans ce roman sarde. Dans la bande-annonce, on a évidemment vu Marion Cotillard, Louis Garrel, mais je voudrais citer aussi cet acteur que vous avez trouvé. Je veux dire, il y a un casting impeccable. Il est extraordinaire, cet acteur. Celui qui joue le mari de Gabriel, c'est Gabriel, le nouveau personnage dans le film. C'est Alex Brendemühl. J'espère que je n'écorche pas son nom, parce qu'il est espagnol, mais il a un nom. Il est allemand. Voilà, c'est ça. Il a un père allemand et il est espagnol. Il est incroyable, cet acteur. Catalan, oui. Grand talent. Vous l'avez trouvé comment et pourquoi lui? Je l'ai trouvé par casting, parce qu'en fait, il y a très peu d'acteurs espagnols maintenant qui parlent français. Et puis, voilà, il m'a convaincu. Et c'est vrai que il est magnifique, mais c'est aussi une rencontre avec un rôle, un personnage aussi taiseux, qui révèle peu à peu
livrer le secret. Qui est victime aussi au fond parce qu'il n'est pas aimé par cette femme à qui il est marié. Enfin, c'est elle évidemment qui est mariée de force à lui. Mais au fond, il est aussi victime de ce mariage autant qu'elle. Ah bien sûr, enfin, victime, en tout cas, au départ, on a l'impression quand même qu'il arrange avec sa mère un mariage et qu'il est bien content de... Voilà, ce que fait la mère, c'est quand même un viol social. Quoi. C'est Brigitte Roy qui joue la, qui joue la maman, elle-même réalisatrice d'ailleurs. Et en fait, l'histoire raconte qu'en fait, que peut-être que Gabrielle n'a pas trouvé l'amour qu'elle cherchait, mais il y a un amour qui va se présenter à elle et que c'est ce mari qu'elle, dont elle ne voulait pas, qui va être peut-être cet amour-là. Vanessa Burgraff, vous avez vu Mal de Pierre, réalisé par Nicole Garcia. Alors... C'est magnifique, c'est majestueux, c'est un film qui vous laisse en suspension, c'est un film qui vous poursuit, c'est-à-dire vous sortez de la salle de cinéma. Tout au long de la journée, j'avais ce film en tête, ces images en tête. C'est une histoire de mal d'amour absolu, avec une intrigue formidable et une chute surréaliste, mais tellement crédible. Crédible parce que les acteurs jouent de manière magistrale, que ce soit Marion Cotillard dans le rôle de Gabrielle, que ce soit Louis Garrel qui joue vraiment de manière extrêmement juste, ou Alex Brandemühl que vous venez de citer, donc le mari de Gabrielle. Et surtout, c'est un film qui est esthétique. C'est-à-dire que chaque plan de ce film, c'est comme une photo. Les prises de vue sont parfaites, la lumière est magnifique, la musique est superbe. La barcarolle de juin de Tchaïkovski m'a poursuivi jusqu'à la fin de la journée. C'est un moment de grâce. Non, je t'ai plus, ça va, elle est contente, Nicole Garcia. Mais c'est magnifique. Il faut aller voir ce film parce que c'est un moment de grâce, c'est un moment de poésie et c'est un film qui vous colle à la peau. Yann Moix. Il faut aller le voir. Merci beaucoup. Il y a eu trop de mots, il y a eu trop de verbes. J'ai qu'un mot, moi. C'est un chef-d'œuvre, c'est un des plus grands films que j'ai vu de ma vie. Je le mets à égalité avec Stromboli de Rossellini. Pour moi, quand on dit Rossellini, on a tout dit. C'est mon réalisateur préféré avec Fassbinder. Je ne suis même pas sûr que vous vous rendiez compte de ce que vous avez fait. J'ai appelé Alain Attal, le producteur, qui est un des plus grands producteurs mondiaux, pour lui dire. Mais j'ai appelé ma petite amie Emmanuelle en sortant en larmes. J'ai appelé Laurent, j'étais en larmes. J'ai appelé Alain Attal, j'ai appelé la production. Je suis assez bouleversé par ce film. Mais en même temps, on en parlera tout à l'heure, mais je ne veux pas en dire beaucoup plus. On voit bien que Marion Cotillard a du génie. Je ne sais pas ce qui se passe, mais vous avez fait. Ça, en plus, il y a le côté Thomas Mann de La Montagne Magique. Je crois que vous n'avez pas fait un film parfait ni un grand film, mais tout simplement une œuvre d'art, un chef-d'œuvre. Mal de Pierre, ça sort le 19 octobre prochain. On vous a donné envie, Myriam Boyer et Jean-Benguigui, d'aller voir Nicole Garcia? Ah oui, mais tous ces films. Ah, c'est vrai? Oui, oui, oui. Pourtant, Nicole, elle n'a pas toujours été cool avec vous, parce que j'ai essayé de faire un peu créer. Quand? Je vais vous dire quand. Quand elle a obtenu son César du meilleur second rôle, Nicole Garcia, vous étiez nommée la même année. Et paf, ça vous est passé devant, Myriam. En plus, c'était Série Noire, Patrick Devers. Pour Série Noire avec Patrick Devers. Absolument, Devers. Voilà. Absolument. Ah, la garce, hein. C'est vrai que ce jour-là, je n'ai pas dû... non. Ah, voilà. Bon. Bon, mais bon... Voilà, c'est le passé. C'est le passé. Non, aujourd'hui, finalement, c'est avec votre mari que vous êtes en guerre sur scène. Et le mari en question, c'est Jean Benguigui. Un mariage, j'allais dire forcé, pas vraiment forcé, mais un peu contraint tout de même. Un mariage qui n'était pas obligatoire. Un mariage de deux personnes seules qui se disent finalement, peut-être qu'on sera mieux à deux, mais ça ne va pas être mieux du tout. Je lui mets le grappin dessus. Hein. Ah oui, c'est vous qui lui mettez... Moi, je crois que là, c'est clair et net. Je lui mets le grappin dessus, il n'y a pas vraiment le choix. Là. Et deux milieux sociaux différents, une bourgeoise, vous, Myriam Boyer. Oui, pour une fois. Et puis alors d'un seul coup, effectivement, cet ouvrier qui habite le même quartier va lui rendre visite régulièrement, et va insister d'ailleurs pour qu'il revienne, effectivement, il lui met le grappin dessus. Sauf qu'une fois la vie à deux concrète et au quotidien, c'est beaucoup plus difficile qu'on l'imagine. Oui, ça pourrait s'appeler l'arrangement, parce que ce n'est même pas une rencontre, c'est un arrangement entre deux espèces d'infirmes émotionnels comme ça, qui sont là et qui se retrouvent ensemble. Et évidemment, ça va être la catastrophe. C'est une... Mais en même temps, moi, ce qui m'amuse beaucoup là-dedans, c'est que c'est un véritable rapport de couple, comme on le vit dans des situations moins extrêmes, mais on retrouve les mêmes... Elle va être contente, Sylvie. Alors, tu sais ce qu'elle a fait, Sylvie, à la mission... C'est même Benguigui. Hein. Oui, c'est une amie de monsieur... c'est une amie de monsieur... Ah oui, une amie à vous. Non, une amie de monsieur Ruquier, il ne faut pas en tout. Elle a mis sur le réfrigérateur, dans la cuisine, l'affiche, la petite affiche. Je dis, mais ça va pas, tu vois ma gueule toute la journée. Elle me dit non, je la mets parce que c'est une leçon. Pour me dire, il ne faut pas en arriver là.
Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, dans la pièce, comme c'était le cas dans le film, à chaque fois on est un peu obligé de parler du film parce que ça a marqué aussi les esprits des cinéphiles, c'était Simone Signoret et Jean Gabin, comme dans le film à un moment donné, mais heureusement, dans la pièce, ça va de soi, il y a beaucoup plus de dialogue, vous en arrivez à ne plus communiquer, à ne plus vous parler. C'est un couple qui finit par se parler, aujourd'hui on dit par post-it, mais, oui. mais par petits mots, mais autrement, ils ne s'adressent plus à un mot. Hein. Non, c'est ça. On s'envoie des petits pour le texte, c'était plus facile à apprendre. Oui, non, parce que l'imagination doit travailler beaucoup plus. Vanessa Burgraff, Yann Moix sont allés au théâtre de l'Atelier. Yann, tiens, on change d'ordre. Bon, alors moi, j'ai beaucoup d'estime et d'amitié pour Jean Benguigui, qui pour moi est un acteur que j'ai toujours vu au cinéma, qui est un grand acteur et qui a fait une magnifique carrière. Et vous, madame, je vous ai découvert dans Série Noire aux côtés de Patrick Devers. Donc j'étais très content de vous voir hier au théâtre. Et je dirais que ce que j'ai aimé dans cette pièce, c'est que ce n'est pas deux êtres qui vivent ensemble, ce sont des êtres qui vivent en même temps. Et est-ce qu'un couple est fait pour vivre ensemble ou est-ce qu'un couple est fait pour vivre des choses, des situations et traverser les dates, le présent et le temps en même temps? Là, on voit que c'est en même temps. Et on en reparlera tout à l'heure, mais j'ai trouvé ce spectacle... Alors là, on est dans une configuration compliquée aujourd'hui, parce que j'ai tout aimé. Heureusement que M. Wörth vient tout à l'heure. Non, mais il est en couilles. Oui, mais je sais qu'il nous entend. À tout de suite, M. Wörth. Nous attendons avec une grande impatience. En deux mots, j'ai aimé la subtilité de votre jeu, parce que vous êtes deux grands comédiens, et aussi la subtilité de la mise en scène. On en parlera peut-être tout à l'heure, il y a une vraie trouvaille de mise en scène. Et en tout cas, j'encourage le public à aller voir cette pièce, parce que c'est une pièce âpre, difficile, mais profonde, et j'ai évidemment interrogé deux, trois personnes en sortant, et les gens étaient là, oh là là, ça marche, ils comparaient avec le film en disant, ça n'a rien à voir, mais on trouve la profondeur, ils disaient, c'est une pièce profonde. Par les temps qui courent, de l'ironie à tout craint, la profondeur, ça fait du bien. Vanessa Burgraff. Moi, je vous ai trouvé formidables tous les deux sur scène. D'abord, je trouve que vous avez une présence qui est incroyable. Ensuite, j'ai trouvé que c'était une pièce qui était glaçante, mais vraiment glaçante. Vous êtes lugubre à souhait, Myriam Boyer, dans cette pièce, en veuve aigrie qui ne se laisse jamais aller, lugubre jusque dans vos vêtements, d'une méchanceté l'un envers l'autre, mais juste terrible. Vous êtes un peu plus touchant, Jean Benguigui, dans votre rôle d'ouvrier rustre. Oui, il y a un côté un parce peu plus touchant chez vous. Je suis un peu plus pute qu'elle, donc j'ai envie de me faire aimer. Je reconnais. Oui. Et alors, pas se faire siffler par le public. et ce que je trouve formidable aussi, c'est qu'on sent vraiment qu'il y a plaisir, que vous avez un plaisir immense à être tous les deux sur scène, qu'il y a une vraie complicité. Vous vous détestez sur la scène, mais on sent en dehors de la scène qu'il y a une vraie complicité, notamment au moment du salut final. On sent vraiment cette amitié qui vous lie et puis cette joie, ce bonheur d'être sur scène. Vous revenez après les applaudissements et vous revenez. Ça dure au moins aussi longtemps que la pièce. Hein. Oui, ouais, c'est vrai, ça dure assez longtemps. Merci. Ça s'appelle Le Chat et c'est au théâtre de l'Atelier François Gabart, maintenant avec Rêver large. Le livre est en librairie avant que vous ne repartiez sur les mers, en tout cas sur la Méditerranée, pour établir ce record dont vous nous avez parlé il y a quelques minutes. Mais là, vous revenez sur les records précédents, en tout cas les titres précédents, parce que ce n'est pas toujours des records, mais... Évidemment, essentiellement, c'était il y a combien? 3 ans et demi, maintenant, le Vendée Globe. 4 ans. Hein. Ah oui, vous aviez 29 ans à ce moment-là. 29 ans. Le plus jeune a gagné le Vendée Globe. Oui. Ouais. Et c'était devant, justement, vous m'avez aussi parlé de Armel Leclerc, hein, c'est ça? Voilà, qui a terminé derrière vous. Et c'était en plus un duel. Vous étiez, non pas côte à côte, parce qu'il ne faut pas rêver quand même, mais en tout cas, assez proche l'un de l'autre. Il a terminé combien de temps derrière vous? Termine 3 heures, je crois, juste après. Ce qui est rien, évidemment. Sur 78 jours, si on fait le rapport. Si on ramenait ça sur un sprint de 10 secondes, c'est même pas un millième de seconde. Donc, il faudrait, c'est vraiment une photo finish à l'arrivée. Ouais. On va regarder l'arrivée de ce Vendée Globe. C'était en 2013. Moi, je crois, sur moi, j'ai appris qu'on pouvait, qu'on avait des limites qui étaient très, très, très loin. Après la houle du Grand Sud, Gabart allait se faire secouer par la foule des grands jours. Et ce ne sont plus les embruns, mais l'émotion qui s'emparait de son visage d'enfant. Par milliers, les spectateurs massés au bord du chenal l'embrassaient d'une sincère admiration. Michel Desjoyeaux est venu féliciter le jeune homme pressé de la course au large. Celui qui a mis 6 jours de moins que lui pour gagner le Vendée Globe. Respect. Avant de poser un pied à terre, François Gabart devait d'abord en passer par l'épreuve des micros et par l'ouverture du champagne. Et puis il s'est lancé dans un prodigieux corps à corps. Un plongeon au milieu des hommes qu'il n'avait plus fréquenté depuis 3 mois. Sans tout ça, sans vous tous, je pense qu'on ne pourrait pas faire ce qu'on fait.
Je ne pourrais pas. Vous revivez avec émotion ces images. Ça rappelle des bons souvenirs. Hein. D'autant plus que c'est plus le même bateau aujourd'hui. Hein. Vous avez abandonné ce bateau-là. Ouais, je suis passé multicoque. Nouveau, ces bateaux qui vont plus vite, hein, donc un trimaran. J'aime la vitesse. Hein. J'essaie d'aller toujours un peu plus loin. Et c'est vrai que les multicoques vont vite. Et c'est vrai que c'est un nouveau défi pour moi. Et le prochain défi avec ce bateau-là, en dehors de cette traversée de la Méditerranée, ce sera aussi un record de vitesse autour du monde. Exactement. Ouais, et là, il s'agira de battre qui ? Francis Joyon. Donc qui détient le record pour l'instant. Exactement. Et il date de quand, le record de Francis Joyon ? Il date de quand ? Il est un petit peu plus vieux, je crois 2008-2009. Ah donc ça veut dire quand même que depuis 6-7 ans, ouais. Personne n'a battu le record de Joyon et c'est votre objectif. Exactement. Écoutez, on vous souhaite bonne chance pour ça. On apprend votre parcours. Il n'est pas ordinaire hein, parmi les navigateurs. Vous êtes ingénieur, il faut le rappeler. Vous avez fait une école d'ingénieur, même si vous avez commencé, et on le racontera tout à l'heure quand vous serez dans ce fauteuil, très tôt à faire du bateau et aussi à faire même une traversée, une longue traversée, un long voyage avec vos parents. Une histoire absolument incroyable. C'est évidemment aussi ce qui vous a donné goût à la mer. Vous avez appris beaucoup de choses et vous avez voyagé à travers la vie de François Gabart, Vanessa Burgraff. Oui, c'était intéressant. Alors, moi, je ne connais pas très bien le monde de la voile, hein, je vais être très, très honnête. Mais vous êtes très éloigné en fait, de l'image que l'on se fait du marin un peu solitaire, qui part, on ne sait pas s'il reviendra, qui aime la mer, qui aime les flots, on imagine les embruns sur le visage. Alors vous, c'est vraiment l'antithèse. D'abord, vous détestez l'eau, hein, ce qui est assez étonnant quand même pour un marin. Et je vous trouve plus compétiteur finalement qu'aventurier. Alors c'est peut-être parce que le monde de la voile s'est aussi transformé. Aujourd'hui, c'est un monde qui est très axé sur la technologie. Alors, vous interrompez, on peut lui demander. Alors, vous êtes plus moins aventurier que technicien. Je sais pas compétiteur. S'il faut choisir et il y a toujours de l'aventure dans ce qu'on fait quand même. Enfin, c'est comme ça que je le vis. En tout cas, moi, j'ai vécu un premier Vendée Globe. J'avais 29 ans. Je partais sur un tour du monde. L'aventure, on part sur quelque chose. On ne sait pas comment ça va se terminer. Je ne savais pas comment ça allait se terminer. Après, je suis un compétiteur, évidemment. Je pense que c'est le milieu de la voile, de la course large, hein, qui évolue. Et c'est vrai qu'on est sur des courses où on ne se fait pas de cadeaux. Et voilà, il y a une dimension sportive qui est importante. En effet, je ne suis pas un aventurier comme il y avait au 15e, 16e, 17e siècle. La période d'Éric Tabarly, c'est quand même fini. C'est une autre époque. Oui, ça évolue. Ça évolue, ouais. Yann Moix. Page 52. Je suis en train de devenir l'un des meilleurs Français de mon âge et cela me convient parfaitement. Page 207. La fatigue a beau s'accumuler, je fais face. Je suis en tête à tête avec moi-même et ma résistance me surprend. Page 12. Certains jours pluvieux, nous engloutissons en quelques heures, plusieurs semaines du programme scolaire. Comme j'ai toujours aimé la modestie chez les êtres, je vous donne rendez-vous tout à l'heure dans le studio. Ça se passera bien, rassurez-vous. Rêver large, c'est chez Stock et c'est signé François Gabart. Mais il est temps de passer à notre invité politique de la semaine. Accueillons maintenant le député maire de Chantilly qui fut, rappelons-le, ministre du budget puis ministre du travail dans les deux premiers gouvernements de François Fillon. Tombé en disgrâce après quelques déboires judiciaires dont il est sorti blanchi par la justice, il est revenu en force au sein des Républicains puisqu'il est depuis un an le secrétaire général du parti. Fidèle lieutenant de Nicolas Sarkozy, il soutient évidemment l'ex-président de la République pour sa candidature aux primaires qui, rappelons-le, se tiendront les 20 et 27 novembre prochains un peu partout en France. On va revenir avec lui sur ces différents sujets et sur l'actualité politique de la semaine. Voici monsieur Éric Woerth. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer par une question qui va vous mettre tout de suite à l'aise, puisque j'ai rappelé, et je vais le rappeler encore, que vous avez été blanchi par la justice dans les différentes affaires qui collaient un peu à votre personnalité. Ça, évidemment, ça soulage. Mais est-ce que c'est la raison, au fond, pour laquelle Nicolas Sarkozy vous fait toujours confiance aujourd'hui? Parce qu'il se dit, tiens, ce qui lui est arrivé à lui, ça peut peut-être m'arriver à moi aussi. Bon, je ne sais pas. D'abord, merci de m'avoir invité et de commencer assez fort. On sait rien, il faut lui demander. Et ça a un côté aussi, vous savez, c'est pas rien hein, ce type d'affaires, c'est pas, beaucoup de gens vivent ça, c'est des années quand même où vous, c'est très interne, c'est une souffrance. Hein.
au fond. Mais vous êtes un exemple ou un modèle pour lui. Est-ce qu'il ne se dit pas, tiens, puisque Wörth, lui, il a réussi à être blanchi par la justice, à juste raison, j'imagine, est-ce que lui, il se dit pas, tiens, ben, peut-être moi aussi, il peut m'arriver la même chose. Lui, vous en parlez ou pas? Non. Pour l'instant, lui, il n'a jamais été mis en cause par la justice, jamais été condamné. En fait. Il peut y avoir des affaires vous judiciaires, anciennes ou passées. Vous non plus, et c'est donc, pour ça que je fais la comparaison. Quand il y a une bonne nouvelle, quand les choses se passent bien, je pense que c'est un exemple qu'on a envie de suivre. Et puis d'une certaine façon, ça montre aussi qu'il y a la capacité de rebondir, que rien n'est jamais perdu, qu'on peut être très faible à un moment donné et puis revenir parce qu'on vous accuse injustement. Mais c'est très long à prouver. C'est très très long. Alors une des raisons pour lesquelles vous avez choisi Nicolas Sarkozy plutôt qu'Alain Juppé, il paraît que c'est aussi parce qu'Alain Juppé n'a pas été gentil avec vous. Quand par exemple dans l'affaire Bettencourt, vous deviez aller passer du temps à Bordeaux et être présent devant le tribunal de Bordeaux puisque c'est là-bas que ça se passait, vous n'avez pas eu un petit mot de soutien, pas un petit mot gentil, vous a même pas invité chez lui, peut-être qu'il aurait même pu vous faire dormir à la maison, monsieur Juppé. Et il ne l'a pas fait. Et c'est pour ça que vous avez choisi Sarkozy. Non, c'est pas aussi... Ça marche pas exactement comme ça. Ah bah parfois, regardez Baroin, par exemple, qui par haine d'Alain Juppé a choisi lui ouais, aussi moi, Nicolas Sarkozy, alors qu'a priori, les idées de M. Baroin sont plus proches de celles d'Alain Juppé que de celles de Nicolas Sarkozy. Ah oui, mais des personnalités donc, comme Sarkozy, elles rassemblent. Moi, j'ai pas de haine. Les rapports personnels jouent. Oui, bien sûr, ça joue. On n'est pas des robots. Il y a de l'affect, heureusement. Quand on travaille avec quelqu'un, on a, si possible, envie plutôt d'avoir envie de travailler avec pour d'autres raisons. Mais ce n'est pas cette raison-là. Moi, je n'ai pas d'adversaire. J'ai du respect, j'ai de l'amitié pour Alain Juppé. J'ai travaillé aussi avec lui, je connais très bien. Mais je pense que Sarkozy correspond mieux aujourd'hui aux besoins du pays. Alors pourquoi? Ça, c'est le moment de le dire. Alors pourquoi Sarkozy? Parce que dans la Ve République, on a l'habitude de dire, vous savez que, au fond, c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple. Quoi. C'est ça, la Ve République, et c'est ça le... Mais est-ce qu'elle n'a pas déjà existé, cette rencontre entre un homme et un peuple, ouais, mais en 2007 Moi, j'y rajouterais des circonstances. Il y a aussi l'idée de circonstances. Et les circonstances, elles sont le moins qu'on puisse dire plutôt chahutées, pour tout le monde. Alors, à juste titre ou pas à juste titre, mais enfin, la France est quand même plutôt dépressive qu'en période de surpression, et qu'il y a des nuages assez forts sur le plan international, un peu partout. Donc, il faut, à mon avis, des personnalités suffisamment costauds. Pourquoi pas, d'ailleurs, un ancien président de la République. Est-ce qu'on peut considérer que c'est mieux qu'un ancien premier ministre. On peut considérer que c'est au fond, il l'a déjà été, pourquoi il le serait? Moi, je pense qu'au contraire, c'est une chance. Je pense qu'on a vu ce que c'était qu'un président stagiaire. On n'a plus envie de ça. On a envie de quelqu'un qui rentre tout de suite dans le métier, dans le job, dès le premier jour. Qui dise avant ce qu'il va faire, parce que ça l'engage. Et à ce moment-là, ça rassure, parce que s'il ne dit pas, il ne faut pas voter pour lui. Mais s'il dit ce qu'il veut faire et qu'il y amène en plus son expérience, c'est une grande chance pour le pays. Et vous n'avez pas été tenté par la carte jeune, je ne sais pas, Bruno Le Maire, par exemple? Non, parce que je crois qu'il faut... D'abord, Sarkozy n'est pas tout à fait... D'abord, il a un an de plus que moi, donc c'est vrai qu'il est plus âgé, mais en même temps, ça reste la même génération. Et je pense qu'il faut faire... La France, c'est multigénérationnel. Donc un peu d'expérience ne nuit pas. Comme Alain Juppé, alors lui, il en a beaucoup, alors. Oui, je ne veux pas m'engager sur ce terrain-là. Je n'ai pas d'adversaire, en fait, dans cette primaire. Mais j'ai une préférence, et c'est Sarkozy. Et moi, je préférerais qu'au fond, les gens votent pour ça, et comme ça, pas de voter contre. Vous pouvez le faire à l'élection présidentielle. Ouais. Tout le monde fait ça. À un moment donné, ça arrive. Et malheureusement, d'ailleurs, ça marche souvent pas très bien. Mais pour une élection primaire, c'est pas la même chose. Dans une élection primaire, il faut voter pour. Vanessa Burgraff. Alors, votre préférence, c'est Nicolas Sarkozy. Mais aujourd'hui, dans les sondages, la préférence, en tout cas des électeurs du droite et du centre, c'est Alain Juppé, hein, qui a 10 points de plus par rapport à Nicolas Sarkozy. Éric Woerth, pourquoi Alain Juppé plaît tant aux Français? Moi, je ne veux pas refaire le truc des sondages, mais quand même, quand on regarde Sarkozy il y a un an et Sarkozy aujourd'hui, les sondages sont bien meilleurs. Il suffit juste de regarder le mois de décembre de l'année dernière et puis le mois d'octobre ou le mois de septembre de cette année, il a gagné. Perdu 13 points il a gagné. Dans Harris Interactive, vous regardez les mêmes choses, il a gagné plutôt 15 points par rapport à l'année dernière, donc il faut un peu relativiser les choses. Et puis en fonction de l'échantillon, les choses ne sont pas les mêmes. Si vous prenez les gens qui sont sympathisants des Républicains, finalement le public de droite, il est très largement en tête. Si vous commencez à mettre un peu plus de public de gauche, il perd un peu parce qu'il a plutôt tendance à prendre les voix de droite. Pas à ma question. Et vous oubliez ceux du centre entre la droite et la gauche. Non, parce que je pense que le centre droit aussi a ses propres convictions qui parfois ressemblent quand même assez fortement à la droite. Et d'ailleurs, les Républicains, comme l'était l'UMP, c'est un parti qui était fait pour réunir les deux. Et donc, il y avait quand même beaucoup de choses en commun.
J'ai pas une vision molle du centrisme. Je pense qu'il y a des centristes qui, au contraire, veulent qu'il se passe des choses. Et puis sinon, il y a le centre-gauche, mais ça, c'est pas pareil. Vanessa encore. Vous répondez pas à la question pourquoi Alain Juppé plaît tant aux Français. On se pose toujours la question quand même sur son adversaire. On essaie de le cerner et de savoir pourquoi. Ils sont très proches l'un de l'autre en termes de sondage. Alain, il représente aussi autre chose. Moi, je pense que... Mais il représente autre chose. Il représente quoi? Est-ce que c'est pas justement l'apaisement, certains... l'image finalement de l'apaisement que représente Alain Juppé, que sollicitent aujourd'hui les Français? Et Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il ne paye pas finalement sa surenchère constante? C'est pas une surenchère constante. Le monde est totalement... il y a suffisamment de difficultés partout pour dire qu'il n'y a pas de surenchère. Il y a juste des propos qui sont parfois considérés comme clivants. On dit de Sarkozy, oui, il ne me plaît pas parce qu'il clive et moi j'ai besoin de m'apaiser. Moi je pense qu'au contraire, il faut cliver et que le clivage, il est apaisant. Que si vous ne clivez pas, vous ne dites pas les choses. Est-ce qu'il ne dit pas les choses que disent le Front National? Et même, je dirais que le Front National est un cran en dessous. Est-ce qu'il ne se Jean-Marie pas, Nicolas Sarkozy? Non, ça c'est une caricature. Que dit Jean-Marie Le Pen. Oui, mais vous croyez Jean-Marie Le Pen, c'est pour vous une référence absolue? Vous ne croyez pas qu'il est en train de diaboliser? Non, mais je regarde par contre le baiser. Non, mais je regarde le programme de Nicolas Sarkozy qui veut mettre fin au regroupement familial, qui veut revoir le droit du sol, qui veut interdire le voile dans l'espace public. Pardonnez-moi, mais c'est un énorme coup de barre à droite. Même le Front National ne va pas aussi loin. Vous savez, donc est-ce qu'il ne se Jean-Marie pas? Ce que je voulais dire, mais c'est peut-être un plagiaire. Ce que je voulais dire sur le clivage, c'est que le roi du non-clivage, de l'apaisement au fond, au début, d'un apaisement presque chronique, c'est François Hollande, l'homme de la synthèse. Et ça donne quoi? Ça donne un gouvernement qui se déchire. Et ça donne un pays, finalement, qui se déchire. Donc il faut dire les choses. Et ce que vous dites à propos du regroupement familial ou d'autres propositions de cette nature, elles correspondent à notre temps. Elles correspondent à la vie d'aujourd'hui. On ne peut plus accepter n'importe qui sur notre sol. Et quand on le dit, ce n'est pas une horreur. Ce n'est pas inhumain que de le dire. Ce n'est pas d'être d'extrême droite que de le dire. Et interdire le voile islamique dans l'espace public, ce n'est pas un problème. Mais ça, c'est votre proposition, mais ce n'est pas la sienne. C'est ce qu'il dit. Il envisage d'interdire le voile islamique. Il n'est pas très clair, d'ailleurs, sur la proposition. Il a été très flou, en tout cas. Non, mais je vous dis, je vais lever ce flou. Je vais lever ce voile, alors, si vous voulez. Levez le voile. Allez-y. Donc je lève ce voile. Eh bien non, d'ailleurs, c'est mon opinion aussi. Moi, je suis favorable à ce qu'on empêche le voile à l'école, c'est déjà le cas. Moi, je suis favorable à l'université, je suis favorable à ce qu'on empêche le voile dans les services publics, parce que ce n'est pas possible, mais dans la sphère publique et la rue, je n'ai pas de problème là-dessus, il y a une liberté là-dessus. À l'université, ça c'est intéressant, parce que tout le monde n'est pas contre le voile à l'université. Pourquoi c'est vrai. Interdire le voile à l'université? Mais parce que c'est un service public important. Je pense que d'abord, il y a beaucoup de gens qui sont post-bac et qui tombent sous la loi de l'interdiction du voile. Les gens qui sont en BTS, les gens qui sont en classe prépa, ils sont souvent dans des lycées et il n'y a pas le droit de porter le voile. Donc l'idée de dire qu'ils sont majeurs, leur opinion est formée, tout ça c'est un peu pipeau. Ce n'est pas vrai, je pense qu'il faut l'interdire. Pourquoi? Parce que si on laisse aller tout cela, ça veut dire que par la suite, au fond, ce sera la meilleure façon de considérer qu'une jeune femme musulmane doit s'habiller. C'est ce que veulent faire un certain nombre de gens. Et juste, moi j'ai souvent entendu dire qu'il était interdit d'interdire, que la liberté, c'est ce qu'il y a de plus cher. Je suis évidemment d'accord avec cela. Et j'imagine que tout le monde sur ce plateau est d'accord avec cela. Sauf qu'à un moment donné, il faut juste réagir. Quand certains ont d'autres idées, quand on essaie d'imposer d'autres modes de vie qui n'ont rien à voir avec la liberté, qui sont des modes de vie qui fracassent l'égalité entre l'homme et la femme, alors à ce moment-là, il faut dire non. Et parfois, ce n'est pas si facile que ça. Et en cela, d'ailleurs, la polémique de cet été sur le burkini, qui pouvait sembler comme totalement dérisoire, ridicule, absurde, n'était pas une polémique dérisoire et absurde. Ce morceau de tissu, il avait une signification politique. C'est au fond un islam politique. Yann Moix, et on revient à Vanessa Burgraff ensuite. À propos du voile, parce que je vais rester là-dessus. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous avez dit à Jean-Jacques Bourdin, le voile est une provocation. Ma question est donc, ça provoque qui? C'est deux modes de vie différents. Je parlais du voile intégral. Je ne parlais pas du voile qu'on voit dans la rue. Enfin, je n'ai pas de problème avec ça. Sauf que j'ai indiqué dans quel endroit on pouvait l'interdire pour que la laïcité... Je parle du voile intégral. Quand on parle de provocation... Vous n'êtes pas choqué par le voile intégral? Non, mais on parlait du voile. On parlait du voile. Je parle du voile intégral. Et Nicolas Sarkozy parlait du voile. Oui, non, mais je parlais du voile. Mais quand j'ai dit ça à M. Bourdin, je parlais du voile intégral. Non, parce le voile, intégral le voile en tant que tel ne peut provoquer que deux catégories de personnes, les islamophobes et les salafistes.
Vous savez, oui, m'entraînez les, pas les voiles, c'est impur pour un salafiste. Comme je pense que vous n'êtes pas salafiste, en tout cas, vous n'avez pas fait ce coming out, il ne reste plus que la case islamophobie, dans laquelle je ne voudrais pas vous enfermer non plus. Mais je suis très sensible aux termes. Et vous avez parlé cet été au Conseil national des Républicains, le 2 juillet 2016, de terrorisme islamique. Et chez Jean-Jacques Bourdin, vous avez parlé de voile islamiste. C'est-à-dire que pour vous, le terrorisme est équivalent à l'islam, islamique, et le voile est équivalent à la terreur islamiste. C'est trop compliqué ce que vous me dites. Et puis, mais en parlant voile, là, il y a un vrai spécialiste. Et donc, il faut faire très, très attention à ce qu'on dit. Moi, je suis... Spécialiste, pardon. De voile. De voile, oui, mais... De voilier. Celles-là, elles sont autorisées. Mais ça, c'est autorisé. De temps en temps, détendre l'atmosphère, vous avez tendance à vouloir l'attendre. Oui, sur des sujets qui font plusieurs morts. Monsieur, ne rentrez pas là, comme ça. Moi, je peux vous dire que je suis défavorable, enfin, je ne suis pas défavorable, je suis absolument opposé, comme beaucoup de gens, j'imagine, ici, au voile intégral. Le voile intégral, c'est l'enfermement de la femme. On n'a même pas besoin de l'expliquer. Ce n'est pas notre mode de vie. Mais à l'université, vous parlez bien du voile et du voile intégral. Non intégral. Parce que là, il y a un flou. Parce qu'on m'interroge sur ce que j'ai dit, c'est Bourdin. Je parlais du voile intégral. Mais à l'université, vous voulez interdire le voile même s'il n'est pas intégral. Très bien. On comprend bien. Très bien. Rhys va intervenir. Non, pardon, Richard Malka. À chaque fois, je confonds l'un et l'autre. Richard Malka. Il faut dire qu'il y en a un qui a moins de cheveux. Non, mais c'est pas ça. Vous avez plus une gueule de dessinateur et l'autre a une gueule d'avocat. Et c'est l'inverse. Non, c'est vrai. Donc, Richard Malka, maître... Et il a fait du droit. Voilà. Maître Malka, alors. Oui, c'est des sujets que je connais bien. J'étais l'avocat de la crèche Baby Lou, entre autres, et je me suis beaucoup battu sur ces questions-là. Et vous avez raison, Yann, il faut faire attention aux termes. Mais du coup, vous ne devriez pas employer le terme islamophobie. Parce que ce n'est pas le bon terme. Parce qu'on a le droit... Je suis bien d'accord. On a le droit d'avoir peur d'une religion, quelle qu'elle soit. C'est précisément ce que je suis en train de dire. Comme je ne range pas, M. Woerth, ni dans la case de l'islamophobie, ni dans la case du salafisme, je voulais que vous sortiez, comme le disait Laurent, du flou artistique dans lequel vous êtes. De quelle voile parliez-vous? J'étais précis, je pense. Justement, pour que les termes soient précis. Effectivement, sur ce que vous disiez, Monsieur Woerth, c'est des problématiques difficiles. Il faut faire attention à ce qu'on dit. On a le droit... Vous pouvez dire « je suis contre l'enfermement de la femme derrière un voile ». Évidemment, et en fait, je crois qu'on est beaucoup à l'être. Mais faire une loi, c'est autre chose. Les gens ont le droit de s'habiller sur des plages en télétoubise si ça leur chante, pourquoi pas. Et s'ils sont majeurs, et c'est moi qui vous dis ça, qui me suis battu pour la crèche Baby Lou tant et tant et tant, et souvent seul. Mais s'ils sont majeurs, comment vous faites pour leur dire, par la loi, comment ils doivent s'habiller? On est contre, parce que c'est sexiste. Faire une loi, c'est autre chose. Et attention, parce que... Vous savez, ce n'était pas une loi. À un moment... Oui, mais attention, il y a un moment donné où la goutte d'eau, elle déborde du vase de la liberté, il n'y a plus de liberté. Donc il faut faire très attention à tout cela. Tout ça sont des provocations. Moi, je vous donne mon opinion. Il faut avoir une opinion inverse. Au fond, on défend la même chose. On a envie de la même liberté en France. On aimerait bien pas avoir à parler de ça, pour tout vous dire. Est-ce qui relève de la loi? On aimerait très, très bien de ne pas avoir à parler de tout ça. Personne n'est islamophobe, c'est une grande religion. Enfin, toutes ces questions ne se posent... j'aimerais qu'elles ne se posent pas. Malheureusement, elles se posent pour des raisons politiques. Et moi, je suis un homme politique pour des raisons politiques. Et interdire d'interdire, c'est pas possible. Mais non, mais elle s'oppose. Il faut bien, à un moment donné, vous tester des vraies réponses. C'est une vraie réponse. Je dis non. Je dis stop. Vous n'allez pas faire une loi à chaque fois. Non, mais à partir du moment où des arrêtés municipaux, parce qu'on pourrait dire finalement une autorité locale sur une plage à tel endroit peut décider. À partir du moment où le Conseil d'État considère que c'est pas légal, bien à ce moment-là, il faut une loi. Je pense qu'il faut nommer les choses. On veut se battre contre le terrorisme par principe, c'est évidemment. Se battre contre Daesh, c'est une évidence qui va de soi. Mais il faut aussi en tirer les conséquences. Si vous n'en tirez pas les conséquences, ça ne peut pas marcher. Il faut en tirer les conséquences. Et tout le débat sur état de droit ou pas état de droit, évidemment qu'on est dans un état de droit. Mais cet état de droit, il faut bien à un moment là, donné vous avez glissé, vous pouvoir avez établi, l'adapter, sinon c'est un état de faiblesse. Vous avez dans la même phrase établi un lien entre le problème du voile et le terrorisme. Vous venez de le faire.
Vous n'avez pas pu vous en empêcher. Je remarque, mais attendez, je comprends ce que dit Yann Moix, pardon de vous dire. On est tous d'accord pour lutter contre le terrorisme, mais on ne voit pas bien le rapport entre lutter contre le terrorisme et le voile. Et empêcher une jeune étudiante de porter, je ne parle pas du voile intégral, qui n'est pas de flou, de porter un voile à l'université. Parce que vous tombez dans la provocation des autres. Non, parce que la laïcité, ça vaut ça aussi. Probablement, ça ne valait pas il y a 10 ans. Ça vaut ça aujourd'hui. Mais la laïcité, si vous avez le droit d'expliquer qu'il ne faut pas porter. Il ne faut pas porter de signe qui l'amène à l'idée d'une appartenance à une communauté. J'ai toujours sur moi la loi de 1905 parce que vous, comme les autres politiques en général, vous ne la connaissez pas. Je pense que vous l'avez lu, mais vos collègues, non. La loi de 1905, l'article 1er. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. En quoi une jeune femme voilée est un danger pour l'ordre public ? Je ne dis pas que c'est un danger, on peut fixer des règles, bon, on la laisse tranquille. Elle peut aller au spectacle. Et tout à l'heure, dans votre raisonnement de manière incidente, je vous ai parlé, vous êtes arrivé à Daesh, tranquillement, parlant du voile. Je vous ai parlé, mais parce que vous êtes tordu, mais je vous ai parlé de provocation. Je vous ai parlé de provocation. Je pense qu'à un moment donné, dans les circonstances qui sont les nôtres, il y a une provocation. Mais qui ? Et qu'il faut faire très attention à ça. On va tourner. Moi, je suis tordu, mais vous tournez en rond. Vanessa, tu as resté un cercle. Caresser un cercle, il deviendra vicieux. Vanessa Burgraff. Eric Woerth, est-ce que c'est important de bien s'entourer en politique ? Oui, on peut faire des erreurs aussi, comme partout. Alors, je crois qu'il vous a vu venir. J'ai l'impression. Moi, j'adore la montagne. Et les câbles de téléphérique, je les débusque assez longtemps. Est-ce que je vous fais la liste ? Patrick Buisson, qui écoute Nicolas Sarkozy, mis en examen dans l'affaire des sondages. Claude Guéant, ancien secrétaire général de l'Élysée, ancien ministre de l'Intérieur, condamné pour complicité de détournement de fonds publics et de recel. Bernard Squarcini, ancien de la PJ, mis en examen pour trafic d'influence, violation du secret de l'enquête. Et la liste est longue. Comment Nicolas Sarkozy a-t-il fait pour aussi mal s'entourer? Mais parce que vous n'avez pas cité tous ceux qui ne sont cités jamais nulle part. Mais là, c'est du jamais vu quand même. Non, mais là, c'est du jamais vu, Eric. Oui, mais il y a des gens qui vous trahissent. Est-ce qu'au fond, pardon de vous dire, j'entends dire du côté d'Alain Juppé, chez vos camarades, puisque vous dites qu'il n'y a pas de haine entre vous, chez les camarades d'Alain Juppé, ils disent, c'est ça la différence entre Juppé et Sarkozy. Juppé, il a payé pour les autres, pour Chirac. En revanche, Sarko, c'est les autres qui payent pour lui. En tout cas, on paye toujours. Et croyez-moi que Sarkozy, il paye aussi. Il paye. Il paye parfois, sur, à mon avis, une facture qu'il ne devrait pas payer, mais il paye beaucoup. Il était peut-être considéré comme un président omniprésident. Il est aussi omnicible. C'est la cible de tous. De tous ceux qui sont candidats, d'à peu près tous les médias. À tort, toujours à tort. Cible. Je ne juge pas. Je dis simplement que c'est une cible et qu'au fond, on lui demande presque plus que les autres. Et c'est normal parce qu'il a déjà été président. Donc, c'est plus compliqué pour lui. Une dizaine de personnes quand même mises en examen dans son entourage, c'est quand même énorme. Vous l'avez lu, le livre de Patrick Buisson, La cause du peuple ? Non. On va vous l'offrir. Vous voulez les cassettes ? On va vous l'offrir alors. Si vous voulez. Alors, vous êtes cité, je vous le dis, page 126. Eric Woerth se trouvait empêtré dans le marécage de l'affaire Bettencourt, où Sarkozy le regardait se débattre d'un froid d'entomologiste. Visiblement, il n'a pas eu plus d'empathie pour vous, Nicolas Sarkozy, qu'Alain Juppé dans votre affaire Bettencourt. Mais vous vous en sortez plutôt bien par rapport aux autres. François Baroin, je l'ai acheté à la baisse. Trop cher, je te le concède pour un second rôle. Xavier Bertrand, c'est un méchant, c'est d'ailleurs pour cela que je l'avais choisi. Gérard Larcher, président du Sénat, ministre, ce n'est pas possible, il est trop laid. C'est comme cela qu'il parle de ses collaborateurs, Nicolas Sarkozy ? Non, je ne crois pas. J'aime beaucoup que vous mettiez en avant Patrick Buisson. Vous l'avez détesté de manière... C'était le diable, ce personnage. Mais c'est personnage. Intéressant quand même. C'était quand vous même lui avez donné, de Nicolas Sarkozy vous lui avez donné des une années. Place avec une gourmandise absolument extraordinaire. Il a d'ailleurs été condamné deux fois pour ses enregistrements. Bon, il dit des choses vraies ou pas vraies, je n'en sais rien. Elles sont dans un certain nombre de circonstances que ni vous ni moi ne connaissons. Mais en ce qui me concerne, puisque moi je peux parler de ce qui me concerne, il ne m'a pas regardé avec la froideur de l'entomologiste. Je ne crois pas. Au contraire, moi j'ai été très entouré, d'abord par plein de monde, et heureusement, et c'est très bien. Et en même temps, le président de la République, il a été
plutôt chaleureux et on a continué à se voir. Et au contraire, moi je trouve qu'il y a une dimension humaine. Je ne peux pas jouer à l'idolâtre parce que je ne le suis pas du tout. Un petit peu mais, quand même. Enfin, quand on écoute Patrick Buisson qui dit qu'il a tout enregistré et que ce qu'il dit est vrai, peut-être, il mais parle pas très franchement, joliment de ses collaborateurs. Franchement, vous arrivez très très bien à monter la puissance con, donc permettez-moi aussi de temps en temps de jouer au rôle d'avocat. Je peux quand même dire qu'il y a une dimension humaine chez Sarkozy qui n'existe pas chez beaucoup d'autres. Moi, j'aimerais qu'on parle concrètement d'un sujet qui vous concerne directement, puisque vous êtes le spécialiste de la fiscalité, des impôts, du budget. Peut-être c'est un rôle que vous retrouverez si jamais Nicolas Sarkozy redevient président de la République. Vous le souhaitez d'ailleurs, retrouver les impôts, le budget, la finance ? Peut-être, oui, enfin, l'économie d'une manière générale. En tout cas, parmi les projets de l'actuel gouvernement, il y a quelque chose qui est très concret, qui touche tout le monde, tous ceux qui nous regardent, et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, c'est l'impôt à la source. On en parle, je ne sais pas si finalement il sera adapté, pratiqué, et c'est vrai que beaucoup de pays l'ont adopté, on est plutôt en retard en France par rapport à cela. Il semble que vous soyez au final contre cette idée de l'impôt à la source, ça me surprend de votre part. Moi, j'étais plutôt, au départ, plutôt favorable. Oui, je mais suis maintenant favorable. C'est la gauche qui veut le faire, vous êtes contre. Oui, il y a un peu de ça, mais... Ben oui, franchement. Non, c'est pas vrai. Non, ben... Je voudrais quand même juste dire, moi, j'étais plutôt favorable à cette idée. Je suis favorable à une partie de l'idée, qui je pense qu'il faut que vous payiez votre impôt l'année de votre revenu. C'est mieux d'éviter le décalage d'un an. Donc, c'est ça qui est très important. Parce que vous commencez sinon au 1er janvier avec une dette vis-à-vis des impôts. Dans un monde un peu incertain, c'est quand même très désagréable. Donc autant de se débarrasser de cette dette le plus vite possible. Alors qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans le projet de M. Sapin ? Parce que je pense que c'est quelque chose de très très compliqué, qu'il y a des gens qui vont se réveiller avec la gueule de bois. D'abord, les entreprises, franchement, elles ont autre chose à faire que de prélever l'impôt. Alors elles le font sur la CSG, sur des choses comme ça, mais elles ont d'autres choses à faire. Donc c'est une charge administrative supplémentaire quand on va leur demander de déclencher plus de croissance. Mais c'était déjà le cas quand vous y étiez favorable. Oui, mais pourquoi quand vous y étiez favorable, vous n'y aviez pas pensé à ce moment-là ? Il y a autre chose, c'est que les crédits d'impôt, je l'ai écrit. On va pas trop se changer. Je l'ai écrit. Je l'ai écrit et j'ai indiqué que je pensais que c'était un des handicaps. Bon. Mais que l'avantage majeur, c'est cette réduction. Bon. Depuis, je pense que, parce qu'on a travaillé, on est allé voir les gens de la direction des finances publiques, il y a une autre manière de faire, qui est au fond d'éviter cette intermédiation des entreprises et de, quand vous êtes mensualisé dans vos impôts, au lieu d'être mensualisé sur le revenu de l'année d'avant, vous pouvez être mensualisé sur le revenu de cette année. Il suffit juste que l'entreprise, alors plus compliqué pour les professions libérales, encore que avec le numérique on règle pas mal de choses, vous transmettez à l'administration fiscale les revenus et elle vous taxe. De plus, dans la proposition du gouvernement, les gens vont payer plus d'impôts. Leur mensualité va être plus importante. Si vous avez un crédit d'impôt, c'est-à-dire que vous avez payé un peu moins d'impôt parce que vous avez une garde d'enfants à domicile, vous avez un crédit d'impôt immobilier parce que vous avez acheté puis un logement sur la loi Cellier ou sur une loi comme celle-là, vous avez tous les mois une réduction d'impôt. Cette réduction d'impôt dans le prélèvement à la source, elle ne s'appliquera qu'en fin d'année. On vous prélèvera sur une mensualité qui ne la comprend pas. Donc elle sera plus importante. Je pense que pour plein de raisons de cette nature, ce n'est pas une bonne manière de faire. Et puis il y a un autre truc, personne ne le dit jamais, et franchement, je pense que c'est un point assez important, c'est que vous aurez, en bas de votre feuille de paye, on va vous payer moins. Ah, ça c'est, c'est le prélèvement à la source. Oui. On va vous payer moins. Et ça, il y a un côté, la valeur travail, on la défend beaucoup, et être moins payé que quelqu'un qui, par exemple, dont on considère que le travail vaut moins que le vôtre, puisqu'il est moins bien payé, mais il ne paye pas d'impôts, il sera payé de la même manière. Je préfère l'acte où on paye à la valeur de votre travail, et puis après, vous payez votre impôt. Soit, donc vous avez changé d'avis, vous n'êtes plus favorable à l'impôt. Je suis favorable à ce qu'on vous mensualise sur les revenus de l'année. Yann Moix. Monsieur Werth, est-ce que vous avez regardé l'émission la semaine dernière ? L'émission de quoi ? On n'est pas couché. Mais il n'y aura jamais. Oui, bien sûr, je regarde. Tous les samedis il y avait un invité qui s'appelait Michel Néret. Et ouais. Michel Néret est tombé, entre autres, pour une affaire d'escroquerie à la taxe carbone, vous savez, sur la TVA du CO2. Je ne vais pas ici détailler l'escroquerie en tant que telle, sachant juste pour les téléspectateurs que c'est une des plus grosses escroqueries jamais réalisées dans l'histoire de France. Et un des escrocs à la TVA. À la TVA, c'est des histoires de taxes de quotas de pollution que les entreprises s'échangeaient sur un marché qui était une sorte de Wall Street de la pollution. Et donc certains ne payaient pas la TVA, d'autres demandaient à l'État de reverser une TVA, ce qui fait que l'État était devenu son propre voleur. Il prenait dans sa poche pour financer cette escroquerie. Un des escrocs. Tout le monde a compris ? À peu près. Oui, non, mais parce que si on rentre dans le détail, vous allez essayer de nous enfumer. vous êtes très bon, ça, on ne peut pas vous l'enlever.
un escroc. Et vous, vous pouvez dit... pas dire qu'à un moment donné, les gens sont sincères. Pourquoi toujours, si, toujours les gens, vous, en fument les gens, oui, vous, je sais pas. Ah, ça c'est une bonne réponse. Les gens, oui, je sais pas. J'ai un des escrocs. Non mais. Ici, on n'a aucune acrimonie en face des invités. Simplement, c'est pas, c'est à vous. Si vous voulez être tranquille, allez, c'est à vous, mais pas. Mais j'y vais aussi. Hein. Eh ben oui. Et en là, plus, il y a à manger. Vous inquiétez pas, vous serez nourri, logé, blanchi. Ici, vous serez tout le contraire de blanchi. Rien du tout. Alors. Et pourtant, j'ai été. Oui, non, mais ça. Ah bon, on a répété. Ah, je mets pas du non, tout en doute. On ne peut pas nous dire le contraire. Hein. On ne met jamais en doute les décisions de justice dans cette émission. Un des escrocs, donc pas vous, un des escrocs a dit j'ai toujours travaillé très dur pour mes escroqueries, mais là, le CO2, ce n'était pas du boulot. Un peu comme entrer dans une banque pour un braquage et qu'un commissaire de police déjà sur place vous indique dans quel coffre vous servir, par quelle porte sortir et vous file les clés d'une bagnole pour vous enfuir, on n'en revenait pas. L'escroquerie s'élève à peu près 1,7 milliard d'euros. On dit 2, certains même vont jusqu'à 3. Le seul petit problème, c'est qu'à l'époque, vous étiez ministre du budget. Tracfin, qui est le service anti-blanchiment de l'État, vous a alerté une première fois en octobre 2008. Aucune réaction de votre part. Une réunion s'est passée en novembre 2008 dans votre bureau. Vous avez dit que c'était un problème secondaire. Il y avait une méga alerte. En février 2009, il y a eu un rapport ultra alarmant de Tracfin qui a écrit au procureur de la République pour dire que c'était un risque massif et systémique d'escroquerie. J'ai bientôt terminé. Une hémorragie d'argent public inouïe. Aucune réaction de votre part. On parle quand même d'argent. Là, on parle quand même d'argent attendez, faut qui pas... finissait dans des sociétés offshore. Ouais. Vous voulez dire quoi intitulées Fantomas ou Carbonara. Bah, arrivez à la conclusion. La cour des... J'arrive. Yeah. Bah, la conclusion, c'est celle de la Cour des comptes, qui dit « Cette note n'a eu aucun effet pratique sur les suites des événements. » En 2011, au procès du CO2... Vous avez regardé ce qu'ont fait les autres vous avez refusé de vous avez refusé, vous avez regardé ce qu'ont fait les vous avez refusé de témoigner en 2011 lors du procès. Vous étiez absent au tribunal. Vous n'avez jamais répondu à la Cour des comptes. Non, alors ma question est la suivante. Attendez, ce n'est pas de la complicité et comme ce n'est pas de la complaisance, quand vous dites, quand Laurent vous pose la question de savoir si vous allez revenir aux affaires et notamment au budget... Incompétent comme vous l'êtes, est-ce que vous pensez pas que c'est une mauvaise nouvelle pour les Français? La vraie question, c'est est-ce que vous referiez la même chose? Est-ce qu'il faut. Est-ce qu'il et comment expliquer surtout, et c'est ma dernière question, comment expliquer aux ouvriers de France. Est-ce que aussi agressif? Est-ce que le talent se mesure alors à l'agressivité? Je vais faire avec le sourire. Regardez mon sourire. Est-ce que les ouvriers. Oui, mais là, j'y crois pas. Vous êtes pas sincère. Alors, je pose ma dernière question avec sourire. Est-ce que les contribuables français sont contents de savoir que leur argent, l'argent public, finit mais pourquoi dans vous le n'avez financement pas raconté une société qui s'appelle Pocahontas. Vous laissez répondre. Ou Fantomas. Vous pourquoi laissez répondre. Enfin, c'est une avalanche de trucs. Qu'un escroc dise qu'on l'a laissé faire, etc. C'est moi que ce que vous considériez que l'escroc a raison, c'est votre problème. J'ai été cité par l'escroc en question. Je n'ai pas été cité par le tribunal. C'est une petite, toute petite différence. Je vous ferai juste remarquer une chose. C'est que d'abord, c'était la Caisse des dépôts et consignations oui, qui gérait cela. Ce n'était pas le ministère du budget. C'est juste la Caisse des dépôts qui gérait ça. Vous avez été alerté. Puis deuxième point. Puis deuxième point, vous êtes alerté tous les jours de 36 000 choses. Oui. Nous avons été l'État. L'État français est celui qui a réagi le plus vite à ce scandale sur la taxe carbone. Tous les États ont été touchés. Tous les États. La France est celui qui a réagi le plus vite. Alors peut-être trop lentement au départ. C'est quelques mois. Hein. C'est 3, c'est 4, 5 mois. C'est quelques mois. Mais bah oui, quand il y a une fraude, vous ne la voyez pas arriver tout de suite. Je vais donc arrondir. Ça s'appelle des carrousels de TVA. Donc je voudrais juste que vous disiez ça. Mais alors si vous dites, ah ben bah alors, le contribuable, ce monsieur Wörth, il a pas facilité les choses. Moi je vous ferai remarquer, j'ai été celui qui a déclenché la lutte contre les paradis fiscaux et contre la fraude. La liste HSBC, tout ça, c'est moi. Alors pourriez dire, j'équilibre la balance. Et puis si vous équilibrez la balance, ça veut dire que vous avez une vision honnête. Mais là c'est pas le cas. C'est pas vrai. Vos questions sont malhonnêtes et votre présentation est malhonnête. Non. Alors la question, attendez, je vais l'arrondir, la question de Yann Moix, parce que moi, je suis un peu plus diplomate, vous voyez. Est-ce que vous referiez la même chose? Est-ce que là, la prochaine fois, vous diriez, tiens, peut-être qu'il faut agir? Il faut agir, vous essayez d'agir dès que vous vous rendez compte qu'il se passe un problème. Si vous ne vous en rendez pas compte ou suffisamment pas compte, eh ben, c'est que vous êtes ça s'appelle une escroquerie. Pas malhonnête. Mais vous n'êtes pas un escroc, c'est très bien pas que les mots Éric Woerth et les mots honnêteté résonnent dans les Français comme une sorte de combinaison. Vous êtes un mauvais écrivain, mais la question n'est pas là. Mais bien sûr. La question n'est pas là. Vous la question n'est pas de savoir. De vous sentir on est en train attaqué de parler. Pour me reprocher d'être vos écrivains. Franchement. Franchement. Moi, parce que là, Vanessa Burgraff.
Vanessa. C'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai lu, mais j'y crois pas. Bah oui. Vanessa Burgraff. Changer de lecture. Faut arrêter de lire Valeurs Actuelles et Minutes. Vanessa Burgraff. J'ai deux questions d'économie. La suppression de l'ISF, la défiscalisation des heures supplémentaires, l'allongement de départ à la retraite, la baisse des impôts de 40 milliards d'euros. Franchement, c'est le même programme que nous a servi Nicolas Sarkozy en 2007. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui? Mais alors, vous n'aviez pas lu celui de 2007, mais je vous engage à le relire. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous étiez très jeune, vous n'étiez pas né, certainement. Expliquez-moi ce qu'il y a de nouveau, à part le fait de laisser filer les déficits. C'est assez différent. Alors, je reprends tout ça et je remets dans l'ordre. C'est assez différent. Le programme d'aujourd'hui, il est de dire il y a trop d'impôts, bon, donc il faut baisser les impôts, et il y a trop de dépenses publiques. Si on commence par attendre que les dépenses publiques baissent pour baisser les impôts, vous le ferez dans 2 ans, vous le ferez dans 3 ans, mais la baisse d'impôts ne se produira pas. Elle viendra très tard. Et donc vous continuerez à prélever sur les consommateurs, comme sur les entreprises, trop d'impôts. Donc on pense qu'il faut baisser, on a fixé un chiffre à 40 milliards, d'autres disent un autre chiffre, mais je pense que c'est déjà un chiffre très important, à la fois sur l'impôt sur le revenu, parce que c'est compliqué de dire on va baisser les impôts de ceux qui ont été le plus augmentés en termes d'impôts, c'est les ménages qui ont beaucoup subi l'augmentation des là, impôts. Là, c'est 10%, donc, c'est 10% pour tout le monde, c'est-à-dire 50% des Français, oui, c'est 10%. Et pour les classes aisées, les classes très fortunées aussi, oui, 10%. Vous payez l'impôt sur le revenu? Vous le payez, l'impôt sur le revenu? Non, mais on va arrêter de nous poser toujours des questions. Bah, je vous pose des questions. Bah, oui, bah, je pourquoi ne paierait pas l'impôt sur le revenu? C'est pas Donald Trump. Donc, c'est pas clair. Non, mais c'est pas clair. Non, mais ne me posez pas à moi des questions. Si, j'ai bien compris que c'était 10% de l'impôt sur le revenu. On baisse les impôts de ceux qui payent des impôts. C'est un truc très original, mais si vous n'en payez pas, c'est très difficile de baisser vos impôts. Donc, on baisse les impôts sur le revenu parce que les gens ont été matraqués. Et de l'autre, on baisse les charges des entreprises parce que c'est là où se trouve la compétitivité. On supprime l'ISF parce qu'on considère que c'est un impôt qui était mauvais pour la compétitivité. Mille fois la droite a promis de supprimer l'ISF. Nicolas Sarkozy l'avait promis lors de son dernier. Ça n'a pas été fait. Si vous faites ce métier de poser des questions, il faut le faire avec précision. Il faut un peu lire vos dossiers. Nicolas Sarkozy n'a jamais proposé en 2007 de supprimer l'ISF. Il avait proposé de faire un bouclier fiscal. Un bouclier fiscal à 50% CSG et CRDS comprises. Et il l'a fait. On m'a rendu de l'argent, j'en avais vachement besoin. Et il l'a fait. Et ça a provoqué plein d'ennuis, je vais vous dire, plein d'ennuis. On considérait que pendant que la crise se passait, qu'on demandait beaucoup d'efforts aux Français et que finalement, il n'y avait que les riches qui ne payaient pas. Donc ça a créé des polémiques à n'en plus finir. Ce bouclier a été levé. Donc il n'avait jamais dit pas d'ISF, il avait dit bouclier qui était un très bon principe, qui était de fixer l'idée de dire pas plus que 50% de vos revenus en impôts. Finalement, vous travaillez jusqu'au 30 juin pour l'État et après vous travaillez pour vous-même. Donc ce n'est pas vrai. Donc on propose de supprimer l'ISF, d'ailleurs Sarkozy le propose et d'autres le proposent aussi. C'est comme ça, on aura fini de parler de l'ISF parce que comme c'est un marronnier de la vie... Il y a ça, il est 35 heures. Après, il faut que vous votiez en même temps. On est en juillet ou août 2017. Il faut que vous votiez en même temps un programme de baisse des dépenses. Il faut dire lesquelles et il faut dire combien. Nous, on propose 100 milliards d'euros de baisse des dépenses, c'est-à-dire l'idée de revenir... Vous proposez de laisser filer les déficits quand même. Et ça, ça change quand même par rapport à 2007, où Nicolas Sarkozy, à l'époque, voulait inscrire dans la Constitution la règle d'or, c'est-à-dire de zéro déficit. Aujourd'hui, il renie ce qu'il avait proposé en 2007. Non, il ne renie rien. Enfin, si, il propose de laisser filer les déficits sur 2 ans. Vous savez, madame, la crise est passée par là en 2008, c'est pas une petite crise. Oui, mais à chaque fois, c'est la bonne excuse, la crise est passée. Mais c'est pas une bonne excuse, on en parlait sur tous les plateaux pendant 2 ans et demi. C'est une crise mondiale. Donc il y a des choses qui se sont passés. Il faut équilibrer la baisse des dépenses et la baisse des impôts. Effectivement, le déficit va s'accroître un peu. Donc il faut savoir si on fait des réformes structurelles, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire au fond de vraies réformes sur des sujets. On peut parler de la retraite, on peut parler de l'assurance maladie, on peut parler de l'allocation chômage, on peut parler de plein de sujets comme ceux-là, qui sont des sujets difficiles. On peut parler de la fonction publique, mais il faut remettre la France d'équerre. Et il y a trop de dépenses publiques. Et plus il y a de dépenses publiques aujourd'hui, au fond... moins il y a d'investissement dans les entreprises et moins il y a de consommation. Vous allez être ravi, monsieur Vort, c'est la dernière question de Yann Moix. Alors, dans ma précédente question, j'étais un mauvais écrivain, je crains qu'avec celle-là, je sois le pire écrivain de tous les temps. En 2008, monsieur Tapie a touché 405 millions d'euros. Il avait des impôts à payer comme tout le monde sur cette somme. Le fisc a proposé de lui faire payer sur cette somme 95 millions d'euros. Mais vous ne l'entendiez pas de cette oreille. Contre l'avis de votre propre administration, il y a eu un projet amélioré pour pas qu'il y ait de contentieux avec M. Tapie, qui a réduit la somme, la facture, à 67 millions d'euros. Mais cette facture, par un coup de baguette magique qu'on va regarder maintenant sur l'écran, est descendue grâce à vous à 43 millions d'euros. Alors comment? Parce que vous êtes passé en fait
Alors c'est un truc très technique, mais on est passé d'une déduction du passif net de M. Tapie à une déduction du passif bancaire tout court. Le mot net a disparu. Alors, on vous a interrogé d'ailleurs, là pour le coup, vous n'êtes pas encore jugé, mais le parquet a ouvert contre vous une information judiciaire pour complicité et recel. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Si. Non. Et non, vous avez répondu, il est possible qu'on m'ait dit qu'on avait fait deux ou trois modifications de forme pour que ça fonctionne. Vous arrêtiez de mentir. Je n'ai pas la compétence personnelle pour en juger moi-même. Alors, vous avez été ministre du budget, tous les Français connaissent le sens du mot net. Votre métier, c'est de mentir ou c'est d'écrire? Et vous, c'est de me couper la parole, mais les Français... Ah ouais, parce que on va laisser répondre. Non, mais alors, pose ma question. Je veux dire... Le mot net, la coupe... D'abord, ce que vous dites est faux. Ce que vous dites est faux. Les chiffres que vous donnez sont faux. Quelle est la différence entre ces courriers? Quelle est la différence entre des courriers, le mot net? Le mot net, quand on l'enlève, ça, rapporte du droit 24 commercial. Millions. On ne va pas rentrer là-dedans. Ah bah moi, j'y rentre là-dedans à fond. J'adore le droit commercial. Vous pas c'est ma matière préférée. Je le sais, mais je le sais. Mais j'y vais, là, on alors, y va, dans le droit commercial. Et bien, justement. Écrivez des codes de code. Bien, laissez répondre, monsieur. Non, je pose ma question. On a compris la question. Oui, mais on a compris votre question. Tous les Français connaissent le sens du mot net, sauf l'ancien ministre du budget. Pourquoi moi, je suis très net. Pourquoi une magouille de moi, je suis très net. Moi, je suis très net et vous êtes très brut. Mais non, voilà, pas d'autres réponses. Sur cette affaire Tapie, pas d'autres réponses à ajouter. Non, l'administration. Non, non, les chiffres sont faux. Il n'y a pas d'information, comme le dit Monsieur Mouac. D'abord, je voulais juste dire que Monsieur Tapie, en sortant de sa procédure judiciaire, c'était une victime. C'était une victime. Alors après, il peut se passer plein de choses, mais c'était une victime. Il y a eu un arbitrage judiciaire, donc c'était une victime. Ça change un peu quand même les choses. Dernière question de Vanessa Burgraff. On va parler peut-être des allocations chômage. Allez, on parle des allocations chômage. Vous êtes pour une dégressivité, enfin Nicolas Sarkozy, des allocations chômage, moins 20% la première année. C'est important parce qu'il faut dire quand même le bilan de Nicolas Sarkozy. Vous allez me dire la crise est passée, etc. C'est quand même 700 000 chômeurs supplémentaires. Donc ça c'est aussi le bilan de M. Hollande, sans crise. Aussi, oui, vous êtes kiff-kiff. Hein. Voilà. Oui, non, mais pas kiff-kiff. D'un côté, il y a un pays qui connaît une récession de 3%. Vous êtes... vous êtes à égalité. C'est pas la crise, c'est le terrorisme. Il y a toujours une excuse. Voilà, il y a toujours une... En tout cas, il faut rompre avec ça. Il faut rompre avec ça. Donc, vous proposez la dégressivité des allocations chômage, moins 20% après 12 mois, moins 20% après 18 mois. Est-ce que ça ne va pas pousser, finalement, les chômeurs à prendre des emplois à bas salaire et moins qualifiés? Enfin, moi, je pense qu'il faut... tout sauf le chômage. Et à un moment donné, il faut rester dans l'emploi. D'ailleurs, beaucoup d'autres pays font cela. Alors, il faut une dégressivité. Oui, mais de plus en plus de précarisation, savez, c'est le cas en Allemagne, oui, par exemple. Mais vous ne trouvez pas que 6 millions de personnes au chômage, ce n'est pas une précarisation? Vous êtes favorable au chômage de masse? Vous êtes favorable à ce qu'on ne bouge pas? Vous êtes favorable à l'immobilisme? Vous dites, bon, évidemment que non. Donc, il faut à la fois baisser la dépense, baisser les impôts, réformer le code du travail, augmenter les qualifications. Il faut faire beaucoup de choses, au fond. Et quand vous faites cela, il faut aussi... C'est pas si facile que ça à dire et c'est pas si facile que ça à assumer. Il faut aussi baisser progressivement les allocations ou l'indemnisation du chômage. La France restera d'ailleurs un pays extrêmement généreux en termes d'indemnisation du chômage. La plupart des autres pays indemnisent moins et plafonnent beaucoup plus. Ce que je comprends pas, pardon, M. Wörth, c'est que parfois, vous dites la plupart des autres pays, pour vous servir d'exemple, les autres pays, par exemple, quand je vous dis l'impôt à la source, la plupart des autres pays font l'impôt à la source. Ouais, vous voyez, mais ils donc n'ont arrêtez pas dans un sens, une fois parfois, de prendre en exemple les pays, puis quand ça vous arrange, l'Allemagne, je ne vais pas les prendre l'Allemagne, en exemple. Je vais vous répondre. L'Allemagne, non, mais parce que je vais vous répondre. Ça, c'est depuis 1900. Quand vous dites dans les autres pays, ils le font, oui, mais nous, là, vous dites la même chose. Laissez-moi expliquer. Le rapport à l'argent n'est pas tout à fait le même en France et ailleurs, et que dans beaucoup d'autres pays, le système fiscal n'est pas le même. Il n'y a pas de conjugalisation, etc., etc. Et puis, ils font ça depuis 20 ans ou 30 ans, sur des taux d'ailleurs souvent qui n'ont rien à voir avec le revenu, qui sont des taux totalement neutres, comme l'administration fiscale essaye de le faire. L'allocation unique dégressive, quand même, on le dit, c'est quand même ça, c'est finalement ce qu'on propose aujourd'hui, a quand même été mise en place dans les années 90 et a été annulée en 2001 et n'a pas permis justement le retour à l'emploi. Et d'ailleurs, c'est ce que dit l'Observatoire français des conjonctures économiques. Ils disent que la dégressivité de l'allocation chômage ne permet pas de retour à l'emploi. Il y a plein d'autres personnes qui pensent exactement le contraire et pas des moindres. Moi, je pense que c'est un tout. Si vous ne le présentez, si vous ne dites que, voilà, moi, ce que je souhaite, c'est rendre dégressif l'indemnisation du chômage. Vous dites ça, vous dites, OK, vous créez de la précarité, c'est totalement inhumain. Bon, mais là, on n'est pas là pour ça. On est là pour redresser le pays et faire en sorte qu'il y ait moins de chômeurs dans ce pays.
pour qu'il y ait moins de chômeurs dans ce pays, il faut un certain nombre de réformes. Et il y a des réformes qui sont parfois difficiles et qu'il faut assumer, mais il faut de la cohérence. Il faut de la cohérence et il faut de la constance et il faut dire les choses avant. Et puis après, les gens voteront. Et il faudra avoir les syndicats avec vous, ce qui ne sera pas évident. Mais pourquoi ? Non, il ne faut pas nécessairement avoir les syndicats. Si vous avez les gens dans la rue, vous le voyez bien. Non, mais parce que vous êtes dans des vieux modèles. Vous êtes dans des vieux modèles. Vous êtes dans un vieux modèle. Mais ce n'est pas un vieux modèle. Vous voyez bien qu'on n'arrive pas à faire bouger les choses en France à cause du poids des syndicalistes. Mais moi, écoutez, moi j'ai affronté les syndicats lors de la réforme des retraites. On a réussi à faire la réforme des retraites. Et d'ailleurs, Madame Touraine en est très très contente, puisqu'aujourd'hui l'assurance vieillesse est en excédent. Elle va très bien. Alors justement, puisqu'on parlait chômage, le dessin que vous avez choisi parmi tous ceux qu'on vous a proposé cette semaine est lié à l'affaire Alstom. Et c'est évidemment dans le but de lutter contre un plan de licenciement et de chômage des salariés d'Alstom que, on s'en est un peu moqué tout à l'heure nous-mêmes, le président François Hollande a décidé d'acheter des TGV. D'où ce dessin que vous avez choisi, signé Grosse pour l'hebdomadaire Marianne. Après Alstom, l'État va soutenir Airbus. On comprend évidemment, puisqu'on sait que ces TGV achetés par l'État rouleront sur des rails à petite vitesse, contrairement à leur capacité à ces TGV. Vous allez, non pas vous, mais en tout cas le dessin va plus loin encore, il imagine un Airbus rouler sur des rails. Pourquoi avoir choisi ça ? Bon, parce que j'ai trouvé ça assez drôle, et puis j'ai trouvé surtout la solution du gouvernement assez incroyable. Tout le monde est favorable à ce que cette usine ne le ferme pas, c'est très important qu'elle ne ferme pas. Bah, il fallait le prévoir. Il fallait, si possible, le prévoir. L'État est à 20% dans Alstom. Ça aurait été mieux de prévoir. Ça aurait été mieux de passer des commandes dans des conditions normales. Ça aurait été mieux de faire en sorte que l'industrie puisse avoir un avenir dans ce pays. Mais commander des TGV dont on n'a pas besoin pour rouler sur des lignes dont la vitesse moyenne est de 118 km/h, c'est pas la bonne manière de faire. J'ai un dessin qui représente le président de la République, François Hollande. Un dessin de Lefray de Touron pour le Canard enchaîné. L'année des transports. Acheter tous ces TGV l'année où on a enfin vendu des Rafales. Et pourtant, pédalo, toujours rien, demande un conseiller du président. Ça rejoint votre choix. Un autre dessin qui va nous permettre d'aborder un sujet pas évoqué ensemble. Primaire de la droite, la gauche ira voter. C'est un dessin de juin pour Charlie. C'est un problème, d'ailleurs. Alors, voilà. C'est un problème. Vous pensez que la gauche, sérieusement... La Juppé n'est pas un problème, mais la gauche ira voter, c'est un problème. Vous croyez que la gauche va vraiment aller voter au Non, mais moi, je pense qu'il vaut mieux... On dit que c'est toujours très anecdotique. Il vaut mieux tirer le signal d'alarme. On est dans une primaire, on n'est pas à l'élection présidentielle. On est à la primaire de la droite et du centre, donc il est logique que ça s'adresse à l'électorat de la droite et du centre. Personne ne dit le contraire. Ben si, quand j'entends un certain nombre de gens appelés à voter, qui ne sont absolument pas de droite, appelés à voter à la primaire de la droite, il y a donc la volonté d'interférence. Il y a M. Plenel, il y a M. Schneiderman, il y en a plein comme ça. Ce n'est pas considéré comme des gens absolument favorables aux idées de droite. Donc il ne faut pas dévoyer la primaire. La primaire de droite et du centre, elle est faite pour les électeurs de droite et du centre. La primaire de gauche, elle est faite pour la gauche. Chacun choisit son candidat, parce que sinon, il ne faut pas faire de primaire. Chacun choisit son candidat, puis après, il y a l'élection présidentielle. Je ne veux pas donner de mauvaises idées à Nicolas Sarkozy, mais il se pourrait que si, au résultat du deuxième tour, le vote n'était pas favorable à Nicolas Sarkozy et trop favorable à Alain Juppé, et que M. Sarkozy estime qu'il y ait trop de gens de gauche qui soient allés voter, il se pourrait que Nicolas Sarkozy dise « Ah bah, ces primaires, elles ne comptent pas, je me présente quand même ». Non, 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 non. J'ai l'impression que cette stratégie qu'on entend en ce moment... On est à un mois et demi de la primaire. On peut dire, moi je le dis depuis déjà pas mal de temps, je pense qu'il faut pas que les électeurs se fassent voler cette primaire. Un dernier dessin, et n'y voyez pas mauvaise intention de ma part, c'est un dessin d'Alex pour le courrier Picard. 2 € pour voter à la primaire. On voit Nicolas Sarkozy qui dit « Il faut bien financer la campagne de 2012 ». Vous me connaissez. C'est juste pour rappeler que c'est seulement 2 € pour aller voter à la primaire. Par tour. Pardon ? Par tour. Ah, donc 4 € si on veut voter au... Non, je voulais juste préciser quand même les choses. Aux deux tours. C'est deux fois plus cher. C'est la seule condition. Et quand même, j'imagine, il faut signer une charte. Qu'on a les valeurs de droite ou du centre, tout de même. Il faut signer une charte. Et donc, j'espère que ceux qui la signeront en toute connaissance de cause. Oui. Et il faut mettre cette charte à bon niveau dans le domaine... de la primaire. Vous considérez que ce n'est pas un chiffon de papier. Jean-Benguigui, on connaît vos idées. Vous êtes de gauche, vous allez aller voter à la primaire de droite. Non, mais vous savez, dans le monde, les plaques tectoniques bougent. De la gauche, on peut aller vers le centre, quelquefois. Voilà, c'est tout. Donc, si on se sent de centre, on peut dire, je ne sais pas, aujourd'hui, je suis du centre.
Et ben alors vous pouvez venir voter. Et ben voilà, si vous, vous du, si vous êtes du centre droit. Hein. Ah oui, oui, et oui, si vous avez 4 euros, enfin 2 et 2. 4 euros j'ai. Allez, on va remercier Monsieur Wörth qui a été très aimable d'accepter notre invitation et qui a eu courage d'affronter Yann Moix et Vanessa Burgraff. Merci à vous. Merci. Il est temps maintenant de parler du Mal de Pierre qui sort le 19 octobre avec Nicole Garcia dans ce fauteuil, la réalisatrice. On l'a rappelé tout à l'heure, c'est un film adapté d'un roman à succès. Alors, qui est cet écrivain qu'on connaît mal chez nous en France, Milena Agus? Oui, elle a écrit plusieurs livres. Hein, et Mal de Pierre, il y a 5-6 ans. Et d'ailleurs, maintenant, elle a écrit d'autres depuis. Mais, et tout le monde nous reparle toujours de Mal de Pierre. Là, un peu, elle a vu votre film? Elle a vu le film, oui. Elle a compris que voilà, l'adaptation d'un livre, ce n'est pas un papier collé. Donc, on a pris des, voilà, on a pris des libertés. Mais prendre des libertés, ce n'est pas trahir. Et elle a beaucoup, beaucoup aimé le... Le film. Tout comme Yann Moix et Vanessa Burgraff qui l'ont dit tout à l'heure, celui qui a le moins parlé des deux, c'est Yann. Je commence par vous, Yann, parce que c'est vrai que Vanessa en a beaucoup dit déjà sur les qualités du film. Vous avez simplement dit, c'est un chef-d'œuvre, mais il faut peut-être en dire un peu plus. Oui, mais c'est difficile de décortiquer des films comme ça, parce que le seul juge, c'est l'émotion, c'est les frissons, c'est les larmes. C'est... Je ne sais pas comment je suis, peut-être pour la première fois, totalement... exonéré de tout bavardage possible, parce que je ne vois pas quoi vous dire à part c'est un chef-d'œuvre. Pourquoi, quand même, je vais essayer. D'abord parce que la psychologie des personnages est fouillée dans les derniers tréfonds. Parce que aussi, ce n'est pas du tout comme on pourrait s'y attendre un film sur la folie, pas simplement. C'est-à-dire que pendant toute une partie du film, Marion Cotillard est la folle officielle. Mais on s'aperçoit que c'est peut-être le monde dans lequel elle évolue qui est complètement fou et c'est peut-être la seule qui soit normale. Et les chefs-d'œuvre ont ceci de particulier qu'ils arrivent à inverser la vision qu'on a des choses. Dans un chef-d'œuvre, on vous prête des lunettes. Et finalement, les lunettes de l'artiste qui réussit cette prouesse que de faire un chef-d'œuvre est de vous faire accepter la réalité comme jamais vous ne l'avez vue avant. En changeant la perspective, en changeant la tournure des choses. Ce qui fait que ce qui devait être des... Voilà, je sais ce que je vais dire, en fait. Voilà, je viens de trouver. Ouf. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose, c'est autre chose qui se passe, mais cette autre chose est parfaitement nécessaire quand même. On est tout le temps fauché par la surprise, et pourtant cette surprise semble d'une totale et éternelle logique. Et ce film, on a l'impression qu'il a toujours existé, que ça fait 30 ans qu'on pouvait le voir, c'est un classique du cinéma. Dans 30 ou 40 ans, on pourra en parler comme on parle de Stromboli de Rossellini. Et le seul hommage qu'on peut vous rendre dans un film comme ça, c'est de pleurer en sortant. Je suis peut-être quelqu'un de très émotif naturellement, beaucoup plus émotif qu'Eric Wörth, par exemple. Et c'est vrai que quand je suis sorti, et Vanessa peut témoigner, j'ai essayé de cacher mes larmes, et puis ensuite j'ai ils ont fait l'amour, tout de suite. Et la, dernière fois que je me suis caché pour pleurer, c'était en sortant de Rome, ville ouverte, à la Cinémathèque en 2005, qui est un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma mondial, italien, c'est un film de Rossellini. Et vous avez égalé la prouesse de Rossellini. Et cette femme qui veut aimer coûte que coûte m'a fait penser à Adjani aussi dans Histoire d'Adèle H. de François Truffaut en 1975. Et il y a quand même un truc que je voudrais dire aussi, un chef-d'œuvre, c'est quoi? Quand on voit par exemple Marion Cotillard, qui dans la vie a peu d'intérêt. non, je veux dire, non, mais peu d'intérêt. Il va être content, sans... Guillaume Canet. Non, c'est pas insultant, je veux dire. C'est pas quelqu'un qui forcément capte l'attention dans la vie. Moi, je l'ai rencontré plusieurs fois. Elle est tout à fait, quand je dis peu d'intérêt, c'était pas désobligeant. Elle est normale. Et tout d'un coup, quand elle passe à l'écran, elle a du génie. Il se passe quelque chose qui est que Romy Schneider était comme ça, parfaitement normale dans la vie. Et hop, elle rentre, elle bascule quand elle est dans un univers. Et là, je ne sais pas comment vous avez fait. Parce que si on essaye de décortiquer le chef-d'œuvre, tout tombe. C'est pas la musique. La musique, on l'a entendue ailleurs dans les films, elle ne marchait pas à ce point-là. C'est pas les décors, on les a vus 100 fois. Les comédiens, on les a déjà vus, si ce n'est qu'il y a effectivement ce comédien étonnant dont parlait Laurent tout à l'heure. Si on isole tout de manière anatomique, rien ne marche. Mais quand on rassemble tout, c'est une perfection qui fait que ce film a toujours déjà existé. Ah, écoutez, formidable. Bravo. Ah, je suis très émue par ce que vous dites là. Très. C'est ça que vous pensez. C'est bien d'être d'un coup vu et lu et... Un peu comme Gabrielle, quoi. Ce qu'elle cherche, c'est vraiment être vue et lue par un homme. La chose principale, c'est quoi? C'est l'amour absolu? Non, je pense que ça le définit par une chose. C'est une chose. Elle ne dit même pas ce que c'est. Et puis elle le demande. On comprend que c'est être avec l'autre, avec un homme, et connaître à la fois ce qui est charnel et sacré, en même temps. Elle a quelque chose qui n'est pas du tout
attentiste comme on l'attend d'une femme, surtout dans la cité normative des années 50. Et elle est comme un brûlot, et c'est ça qui la définit. Et en fait, ce qui est beau, c'est que les deux hommes de sa vie, elle fait peur. Parce que le désir, là, fait peur tellement elle le dit. Et elle ne fera pas peur aux deux hommes qui vont faire son histoire. Et votre quête à vous, alors, Nicole Garcia, c'est aussi la chose principale ? La mienne ? Oui. Je bois avant de répondre. Moi, je dirais que j'ai jamais fait des films qui étaient autobiographiques, mais quand j'ai fait des personnages, c'est bien des hommes que des femmes, il y a là-dedans une trame très personnelle et qui m'ont fait faire ces films. Et c'est vrai je fais ça avec ce qu'il y a de plus intime en moi. Mais je voulais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, vous m'avez fait tous les deux des compliments dont je ne suis pas complètement remise d'ailleurs, mais tellement ils étaient directs et forts. Mais vous avez dit une chose drôle, vous avez dit je crois que vous savez. Je crois que vous ne savez pas ce que vous avez fait. C'est souvent comme ça quand on fait quelque chose qui nous dépasse. Oui. Mais j'ai l'impression que c'est le cas parce que vous en parlez comme si c'était un film normal. Moi, c'est un film qui m'a bouleversé à vie. J'exagère pas. Mais oui, parce que c'est difficile c'est plus facile de faire le film. Enfin, je l'ai fait. Oui, oui. Après, le commentaire est difficile, quoi. Je suis là pour ça, mais c'est difficile de commenter. Mieux vous entendre que. Mais vous savez, il y a une phrase. Je vais vous faire pas. Nous avons les moyens de vous faire parler, Nicole Garcia. Il y a une phrase de Lacan qui est terrible, qui dit l'amour, c'est donner à quelqu'un qui n'en veut pas quelque chose que l'on n'a pas. Oui. Et là, c'est donner à tous ceux qui n'en veulent pas quelque chose que l'on a. Parce qu'elle en a de l'amour. Et elle devient folle parce que personne n'en veut jamais. Oui, c'est ça. Et donc, c'est l'extérieur mais qui l'a. Mais vous, qui êtes un écrivain, tout le monde un mauvais écrivain. Tout le monde vous rappelle ça. Selon Eric Verne, non, grand critique littéraire. Non. Non, mais c'est pas parce que quand j'ai dit tout à l'heure qu'elle veut être. Elle veut... Là, elle va dire vous qui êtes un excellent écrivain, Yann Max. Non, mais je dis que l'amour, c'est un vocable un peu large. Et quand je dis qu'elle veut être vue et lue, en plus, chaque fois qu'elle aime un homme, elle aime. On lui donne un livre. Il lui donne un livre, chacun de l'autre. Comme si, effectivement, elle attend aussi de l'amour que quelqu'un l'ouvre à l'intelligence et au savoir. Puisqu'on a évoqué le jeu et la performance, on peut le dire, de Marion Cotillard, j'ai lu dans une interview, vous déclariez ne pas trop préparer le film avec les acteurs ou les actrices. Vous dites « Je suis tellement intimidée par les acteurs avant de travailler avec eux que je me sens presque mal à l'aise en leur compagnie. Pendant les essais, je parle peu, au risque de leur paraître froide. Avant le tournage, je me projette à leur place dans les décors, dans les dialogues. Le travail en commun ne commence que sur le plateau, quand je les regarde, quand je les touche, mais jamais avant alors. » Non, c'est vrai. Non, j'ai l'impression. Mais ce qui se passe avec un acteur ou une actrice, c'est en fait très bref et très précaire. Quoi. Il y a une sorte d'intensité extraordinaire. On ne sait pas si elle aura le lendemain. Mais on a l'impression que. C'est ça la chose folle du cinéma, c'est que pendant que ça se passe, en tout cas, tout le reste passe à la trappe. Et j'ai beaucoup aimé Marion pendant ce film. Je l'ai beaucoup regardée. Mais sans répéter avant avec elle, quand elle a essayé les costumes, qui est le premier pas vers la fiction, je l'ai beaucoup regardée. Elle n'est pas le personnage. Mais je ne pense pas qu'une autre actrice aurait pu jouer ce rôle-là comme elle le joue. Vanessa Burgraff. Oui, j'ai adoré aussi ce film. Je ne sais pas si je peux dire plus que finalement ce qu'a dit. Ça sera dur. Ce qu'a dit Yann, ça sera très dur. Il faut aller le voir, en fait. Ce film qui démarre avec cette phrase « Donnez-moi la chose principale » ou sinon « Laissez-moi mourir ». C'est en effet Marion Cotillard dans une église qui fait cette prière à Dieu. Elle va avoir l'amour, mais pas l'amour qu'elle croit, finalement. Non. Donc on laisse ça en suspension. Le personnage de Gabrielle est extrêmement fort. C'est un personnage, finalement, de femme aussi des années 50 qui est prise dans les carcans aussi de la tradition et qui anticipe un peu quelque part les mouvements féministes à venir, puisqu'elle se libère de ces carcans, elle va au devant de son désir. Et ça, c'est quelque chose aussi peut-être qui est important pour vous, vous qui avez été quand même une combattante aussi du féminisme. Non, je n'ai pas été une militante. J'ai profité, comme beaucoup de femmes, des combats du féminisme, mais je n'ai pas été combattante. Et je ne pense pas qu'on puisse. C'est vrai qu'elle augure peut-être une liberté d'une femme, la femme contemporaine, mais c'est quand même très lié à l'époque, effectivement, de cette société-là, mais et peut-être, effectivement, qu'il y a quelque chose dans l'appel du féminin, qui est quand même quelque chose, les hommes ont d'autres demandes, mais d'accueillir, de recueillir cette chose. Je pense que les hommes peuvent aussi être très amoureux jusqu'à l'obsession, mais dans cette manière qu'elle a de le réclamer, je pense que c'est plus là-dedans que je la définis que dans un chemin plus historique. Je vais vous poser des questions un peu plus terre-à-terre. Oh, hein, oui. Nicole Garcia, on va quitter un peu la poésie et la magie du film. Parce que depuis juin 2016, vous faites partie de l'Académie des Oscars. J'ai cru. Ah bon?
Je ne sais pas si ça fait vraiment partie. Vous avez une confirmation de ça? Moi, j'ai lu ça dans la presse. Et j'ai pensé que c'était Marion Cotillard qui vous avait pistonné pour vous remercier. Elle aurait pu, oui. Non. Mais finalement, c'est une fausse information. Mais oui, j'ai demandé à un moment donné pour que je ne reçois pas les Oscars, les films. Mais on m'a dit, non, je ne crois pas. Enfin bon, c'est resté un peu dans le flou. Je vais réclamer maintenant. Alors, j'aurais. Vous n'êtes plus à l'Académie des Oscars. Alors, parlons plutôt des Césars. Puisque ça, vous avez quand même une particularité incroyable dans votre carrière, Nicole Garcia. Vous êtes la seule actrice à avoir été nommée à 6 Césars différents, c'est-à-dire nommée pour le César du meilleur film, une autre fois pour César du meilleur réalisateur, du meilleur scénario, de la meilleure actrice, dans un second rôle, et aussi meilleur premier film. Alors ma question, c'est est-ce que pour battre ce record, vous envisagez de faire un CAP de chef opérateur ou un BTS de preneur de son? Non mais toutes ces belles nominations, pour n'avoir eu que, c'est comme dans le casino, quand on voit la première fois, on gagne, l'avoir eu pour un second rôle dans Le Cavaleur de Philippe de Broca, et après être toujours resté. Celui-ci, à mon avis, vous aurez ce qu'il faut en termes de César l'année prochaine. En tout cas, vous avez présenté le film à Cannes. Il a été formidablement reçu au Festival de Cannes. J'ai une photo de vous à Cannes. J'aimerais, si possible, qu'on voit cette photo. Vous portiez un sublime collier. Alors, est-ce qu'il est chez vous? C'est pour les amis qui ont rencontré Kim Kardashian cette semaine et qui aimeraient savoir où vous habitez. Et sans vous dire... Et sans vous dire où j'habite, j'habite pas très loin de toute façon, on ne peut pas trouver où vous habitez. Non. Parce que j'ai lu aussi dans une autre interview, parce que je lis toute la presse, dans Ici Paris, vous voyez comme quoi j'ai des bonnes lectures, que votre rue, là où vous habitiez, ne figurait sur aucun plan de Paris. C'est vrai, ça? J'ai l'article, j'ai la preuve. J'ai déménagé pas mal de fois, alors peut-être... Il paraît que votre rue ne figure sur aucun plan. Ah bon? On ne va pas la donner à la rue, évidemment. Non, mais sûr que non. C'est une petite rue, Oui, peut-être le... Non, je ne sais pas. Peut-être le boulevard Haussmann. Non, je blague, mais... Non, je ne sais pas. Non. Une rue qui ne figurait sur aucun plan. C'est ce que vous avez dit vous-même. J'ai l'interview, si vous voulez. Je suis toujours étonné par les choses que j'ai pu dire. Donc, vous dites beaucoup de conneries. Sortez du contexte, comme ça. Vous dites beaucoup de conneries. Pas mal. Un mot sur l'actualité, parce qu'avec Jean Benguigui, faites partie de ceux qui ont signé en 2015 une pétition avec 800 autres artistes, une tribune dans Libé pour appeler le gouvernement à s'occuper des migrants et notamment évidemment des migrants de Calais. Alors on sait que depuis la chose a évolué là-bas, en bien, en mal, quand je dis évolué, plutôt en mal, parce qu'il y a même un mur qui se construit, on ne sait pas trop exactement comment on va disperser les migrants sur notre territoire, certains villages refusent leur présence. Donc un an après, qu'est-ce que vous pensez de ça, Nicole Garcia, puisque partie de ces artistes qui ont signé cette pétition? C'est toujours aussi terrible, c'est un peu difficile d'en parler comme ça. C'est notre Méditerranée commune, mais plus orientale, mais qui est inadmissible, c'est vrai, c'est tout. Oui, quoi faire? Oui, il y a quelque chose qui... Si on avait le courage d'en prendre deux chacun chez nous, ça serait réglé. Non, mais c'est Est-ce qu'on le fait? Non. Non, vous avez raison. Moi, j'ai la place. Prenez-en quatre, vous prenez les miens. D'accord. Et vous avez raison, je pense. C'est vrai. Je me suis dit, si chacun d'entre nous en prenait deux, l'affaire était... Comme pour le CO2, il y a des quotas. Ouais. Quand on a trop de place chez soi, on peut racheter. Non, mais c'est vrai que c'est quand même très, très désespérant. Et on a l'impression que ça le banalise, qu'on le sait, on voit des photos. Oui. On a l'impression que rien... Ceux qui se noient en Méditerranée, ceux qui crèvent là, mais c'est épouvantable. Un dernier mot, Yann Moix, Vanessa Burgraff. Une question encore à poser sur la carrière de Nicole Garcia. Toute dernière question. Quand vous étiez avec Jean Rochefort, avec qui vous avez vécu, un jour, il vous a dit... Toi, tu es connu à Saint-Germain-des-Prés. Moi, je suis connu dans la France profonde. Toi, tu es connu à la ville et moi, à la campagne. C'est normal. Toi, tu n'aimes pas les chevaux. Tu n'aimes pas la nature. C'est vrai, ça? Non. Il disait que j'étais une actrice de Saint-Germain-des-Prés et lui était quelqu'un d'une France profonde. Maintenant, de là à m'accuser de ne pas avoir aimé les chevaux, je ne suis pas certaine de la fin. Mais c'est vrai qu'il était... Voilà. Il disait que j'étais une actrice pour Saint-Germain-des-Prés. Voilà. J'espère que j'ai un peu éclaté ce cercle. D'ailleurs, actrice, vous l'êtes encore, vous n'êtes pas seulement réalisatrice, mais en revanche, vous ne vous filmez jamais. C'est-à-dire, dans vos films, on ne vous voit pas. Non. C'est pas parce que, comme je disais tout à l'heure, je déguise tout ce qui est... Elle a du goût. Pardon? Elle a du goût. C'est méchant, ça. Non, tu plaisanteries. C'est pas prêt de jouer dans un film. Mais c'est même pas drôle. Alors là, je vais vous dire...
Vous avez en plus touché un point sensible, ouais. Parce que ça, je suis très surpris. Ouais, j'adore cette actrice, de toute façon, c'est je l'adore, Nicole Garcia, moi aussi. Je suis... non, mais c'est vrai. Non, mais faites pas celle qui n'aime pas les compliments, parce que vous n'arrêtez pas. Mais justement, c'est ça qui est fou dans toutes les interviews. Vous n'arrêtez pas de dire... C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle a été un peu blessée par ce que vous venez de dire. Parce en fait, vous adorez, vous aimez, vous avez vraiment envie, mais au point de le dire quasi à chaque fois, vous avez envie qu'on vous aime. Comme Gabriel. C'est ça, en fait, le point commun avec votre héroïne non. dans le film. Ah, parce que moi, j'ai adoré votre film, mais vous, je vous aime pas du tout. Hein. Non, mais c'est vrai. Elle est en larmes. Vous êtes toujours à la recherche de cet amour du public, de cet amour de l'autre. Oui, c'est une quête mais qui n'est pas aussi obsessionnelle que vous le dites, là, non. Bon, en tout cas, ça revient régulièrement dans les papiers, dans les interviews que vous accordez. Des anciens papiers. Non, même maintenant. Encore toujours maintenant. Les prochains aussi. Non, mais être aimé, non, peut-être qu'effectivement, c'est que, comme à l'instar du personnage, quelque chose qui peut-être me paraît à moi comme la chose principale, mais adressé à quelqu'un, pas forcément adressé à un public. Vanessa Burgraff, dernière question. Ouais, vous ne vous cachez pas d'être fragile, intranquille. On sait que vous étiez très stressée. On nous a dit, avant de venir à cette émission, on nous a dit, oh là là, Nicole Garcia, elle est très stressée. D'où vous vient cette fragilité? Parce que finalement, vous avez une longue carrière. Et aujourd'hui encore, vous vous sentez fragile? Jacques Fieschi, le scénariste avec qui je travaille, dit que, voilà, que je suis toujours un peu inquiète. Il y a une inquiétude en moi qui est quelque chose d'intranquille, peut-être. Il faut beaucoup de choses pour me rassurer, peut-être. Ou alors, Mais ça vient d'où? Ça vient. De pourquoi on fait des films? Ça vient pourquoi on raconte des histoires? C'est pourquoi un jour on a choisi, un peu comme le personnage de Gabriel, l'imaginaire, c'est-à-dire la fiction, pour sortir peut-être des ombres de l'enfance et en faire des. Et les mettre en scène. C'est pour ça que je ne suis pas encore arrivée à faire une comédie. Mais dès que ça ira mieux, je ferai une comédie. Par exemple, le ministère du budget, ça ne vous dirait rien? Pas vraiment. Maille de Pierre sort mercredi 19 octobre, le nouveau film réalisé par Nicole Garcia, que vous aurez compris, nous vous conseillons fortement. Merci Nicole Garcia. Tiens, au lieu de vous moquer des autres, là, Jean Benguigui, on va un peu rigoler de vous, Jean. Et Myriam Boyer, parce que c'est la première fois que vous êtes réunis sur les planches, ça, je ne me trompe pas, vous n'avez jamais joué ensemble au théâtre. Non. Au cinéma non plus. Non, on s'est évité. Mais en revanche, vous avez tourné ensemble à la télévision, déjà. Ah, vous saviez ça ou pas? Non. Ah oui. Eh bien si, moi j'en ai les preuves. Alors vous n'aviez pas de scène ensemble, et c'était dans un téléfilm réalisé par Serge Moati. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le pain noir. Ouais. Le pain noir. Ouais. Vous êtes l'un et l'autre dans le pain noir, ça date des années 70, ça, j'imagine. Oui, 72. 72 précisément. Ouais. Regardez, on va retrouver Jean Benguigui et Myriam Boyer en 1972. Évidemment, ils n'ont pas de scène commune, mais on a juxtaposé les deux scènes. Ils étaient déjà réunis à l'écran, mais pour la télévision. Je vous souhaite bien du plaisir, mon cher Frédéric. Diriger une usine, en ce moment, ça relève de l'héroïsme. La grande Louisette. C'est fou. Hein. Et Jacques Franz. Oui, c'est chouette. Oh, c'est bien. Le pain noir en 1972. Vous n'aviez jamais revu ça, hein? Jamais. C'est la première fois que je vois Jean Benguigui avec des cheveux. Je ne l'avais jamais vu avec des cheveux. Ah bah c'est tellement ancien. Puis je jouais déjà les vieux. J'avais les cheveux gris déjà, là. Yann ? C'est fou ce soir parce que Nicole Garcia est née à Oran, comme Jean Benguigui. Il a joué avec Myriam Boyer dans un film de Moati. Moati qu'on retrouve dans la bande dessinée. J'allais y venir. Oh, vous me piquez mon enchaînement. Oh, désolé, Max. Je vous savez, c'est un métier. Si vous voulez ma place, dites-le. Mais vous avez raison. Serge Moati, on le retrouve dans la BD La face crachée de Marine Le Pen chez Grasset. Parce que ça, c'est quelque chose qui nous a toujours surpris. Régulièrement, on voit effectivement notre confrère, qu'on aime bien d'ailleurs, Moati, réaliser des sujets sur la famille Le Pen. D'ailleurs, il est plus proche de Jean-Marie Le Pen que de Marine Le Pen. Expliquez un peu cette relation curieuse et pourquoi vous avez tenu à ce qu'on le voit, Moati, dans votre bande dessinée, Rhys ou Malka? Alors, lequel répond? Non, bah, il se trouve qu'effectivement, Serge Moati n'en fait pas mystère. Il a une certaine amitié, une certaine tendresse à l'égard de Jean-Marie Le Pen, ce qui ne l'empêche pas d'être en désaccord avec lui. Mais c'est un ami de Jean-Marie Le Pen. Et c'était intéressant, pour moi, dans la narration, de le faire intervenir dans cette BD pour accoucher
Jean-Marie Le Pen de la narration de sa rupture avec sa fille. Et donc Jean-Marie se confie à son ami Serge Moati pour lui raconter comment s'est déroulée cette trahison de sa fille qui, après avoir été faite totalement par son père, grâce auquel elle a gravi tous les échelons au Front National, en réalité le tue. J'y suis aussi d'ailleurs, hein, croqué dans cette bande dessinée. J'aurais préféré pas y être, pour tout vous dire. Mais enfin, j'y suis. Je retrouve d'ailleurs Éric Zemmour aussi, mais pas sur la même page. Hein. Zemmour très présent, hein, évidemment, lui aussi dans cette face crachée de Marine Le Pen. Riss. Il est présent à un moment donné, oui, parce qu'on le voit avec Buisson, avec De Villiers. Bon, c'est un aspect des choses, mais c'est il y a que là qu'on le voit, quoi. En fait, il. Non, on l'a fait ministre aussi. Ah, on l'a fait ministre, c'est vrai. Ah oui, oui, il est dans le gouvernement quand même. Monstrueux. Parce qu'il y a une double page absolument extraordinaire. Il est sur le côté, d'ailleurs, on peut le voir sur cette double page. Il est ministre à la fermeture des frontières en chaque garde de la nation. Éric Zemmour. Génial. On l'a là, le gouvernement. Il y a beaucoup de personnages dans cette bande dessinée, mais c'est ça qui est drôle quand on est dessinateur, c'est un bon exercice parce qu'on dessine des visages qu'on dessine pas souvent en temps normal. Quoi. Robert Ménard est ministre de l'Information, si vous voulez en savoir plus sur cette politique fiction, c'est actuellement en librairie, ça s'appelle « La face crachée » de Marine Le Pen chez Grasset. C'est à vous François Gabart de venir dans ce fauteuil pour parler de « Rêver l'art ». Alors, avant de revenir... sur vos exploits passés et peut-être parler de vos exploits futurs. Tout à l'heure, je trouve que Vanessa Burggraf a abordé un point essentiel qui, moi, m'a épaté dans votre livre. C'est le fait qu'au fond, vous n'aimiez pas l'eau, que vous n'aimiez pas nager, d'ailleurs, particulièrement. Je suis pas sûr que vous soyez bon nageur. Ouais. Non, je ne suis pas un bon nageur. Ouais. Et même, à un moment donné, vous conseillez, ça c'est dans votre livre, vous conseillez aux gens de ne pas sortir, ce qui est quand même fou quand on a fait une traversée solitaire à travers le monde, de ne jamais partir seul en bateau. Pas exact, enfin de prendre ses précautions. Si on part faire un tour du monde, on s'entraîne, on prend des précautions de sécurité, on se prépare. Je ne considère pas que je pars n'importe comment. Et en effet, ce que je dis dans le livre, c'est qu'en fait, je crois que le moment le plus dangereux que j'ai eu sur un bateau, c'était dans la rade de Marseille, sur un petit catamaran, près du bord, où on n'avait peut-être pas pris justement toutes les notions de sécurité nécessaires. Et donc, je suis tombé à l'eau. Le vent porté au large, ça s'est bien terminé, mais ça aurait pu mal se terminer. C'était à 200 mètres de la plage, donc c'est peut-être ce que je voulais dire. Et on peut par contre faire un tour du monde en étant préparé, en s'entraînant, en ayant des moyens de sécurité qui permettent de faire ça dans un niveau de sécurité le meilleur possible. Alors racontez-moi ce premier voyage, vous le racontez dans le livre, ce premier voyage familial, parents, enfants. D'abord, c'était en quelle année et quel âge vous aviez ? 89-90, donc j'avais 6 ans, 6-7 ans, donc là je suis au milieu sur la photo. Donc j'ai deux sœurs, une petite, donc on avait 3-6-9 au départ. Et donc mes parents ont pris une année sabbatique et on est partis. Votre papa dentiste, c'est ça ? C'est ça, ma mère est magistrat, tout à fait. Magistrate. Et donc ils ont pris, mais mon père faisait du bateau depuis qu'il était tout petit, mes parents, ma mère a fait du bateau avec mon père, ils aimaient ça, ils aimaient être en mer, mais... d'une façon un peu différente de ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était juste pour le voyage, pour la croisière, la plaisance, comme on dit. Voilà, de la plaisance. Et c'est vrai qu'ils ont eu le courage parce que c'est pas forcément évident partir avec donc, des enfants. Attendez, ils prennent une année sabbatique et ils partent où ? Vous faites quoi comme voyage ? On part de France. C'est pour le coup une transat, une année sabbatique relativement classique en termes de plaisance. C'est-à-dire qu'on part d'Europe en début d'année, alors, enfin fin d'été. On part donc Portugal, Madère, Canaries, Cap-Vert. Si on traverse l'Atlantique, on va aux Antilles, on remonte Bahamas, États-Unis, on revient à Açores et on revient à l'été. Ça fait un an et ça tourne avec les vents dominants. Donc pas d'école, pas d'année scolaire pendant ce temps-là ? Une école par correspondance, enfin le CNED. Hein, donc vous partez avec les devoirs à faire sur le exactement. Bateau. Ouais, oui, mais il fait le travail d'un trimestre en deux heures, lui. Donc. Ben c'est ça, c'est une tête en fait, hein, il faut dire. Et ça a quand même été évidemment primordial, j'imagine, dans votre cursus. Oui, ce voyage, il est... Évidemment, il est important parce que je pense qu'il nous ouvre sur plein de choses. C'est parce que justement, peut-être que l'école qu'on peut avoir sur un bateau, elle nous apprend plein de choses qu'on nous apprend différemment à l'école. Et j'ai eu la chance de faire ça avec mes parents. Et c'est vrai que ça... Alors évidemment, moi, c'est une évidence que ce voyage sur un bateau, même si j'aime pas l'eau, pas être dans l'eau, m'a mis à l'aise avec cet univers marin, avec les bateaux. Et voilà, et plus tard, j'ai continué à faire du bateau et je m'y sens bien dans cet élément.
Alors, qu'est-ce qui fait que vous partez pour Lyon? À quel âge vous avez à ce moment-là? 17 ans, c'est ça? Ouais, 17 ans. Ouais. Pour une école d'ingénieurs que vous pouvez citer, d'ailleurs. L'INSA, à Lyon, ouais. Ouais. Alors, pourquoi l'INSA? C'était une... C'est une école en fait qui avait une section. Parce que là, vous quittez famille, votre région. Oui. Bon, comme beaucoup d'étudiants. Ah ben, 17 ans, c'est tôt quand oui, même. Oui. Mais voilà, enfin, il faut bien faire une école, et c'est vrai que l'avantage de cette école, c'est quand il y avait une section sport-études, donc on pouvait continuer à faire du bateau. Alors c'est vrai que Lyon, ça peut paraître paradoxal de faire du bateau. Ben c'est ça. Mais fallait aller à Marseille. Il y avait pas encore le TGV. Le TGV est arrivé une année après. Mais c'était relativement rapide quand même d'aller à Marseille. Il y avait un bon centre d'entraînement. C'est quoi votre région au fond? Parce que entre les études à Lyon, on sent que Marseille compte quand même dans votre vie. La Charente, puisqu'au départ c'est bien ça, sûr, votre région initiale. La Bretagne aujourd'hui, parce que c'est en Bretagne que vous passez le plus clair de votre temps, non? Bien sûr, aujourd'hui j'habite en Bretagne, donc je vis en Bretagne, j'y suis heureux. Est-ce qu'il faut vraiment avoir une région? Je ne sais pas, c'est peut-être pas nécessaire. Donc, j'ai vécu dans toutes les régions que vous donnez. Et voilà, et aujourd'hui je suis en Bretagne et je suis en Bretagne. Mais et en plus, vous avez votre fiston à l'étranger. J'ai un fiston à l'étranger. Et c'est pour ça, voilà, est-ce qu'il faut vraiment. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on vit au moment présent et aujourd'hui je suis en Bretagne et j'y suis heureux, mais où je serai demain, ça je ne sais pas. En Bretagne, vous dites, au fond, ça me remet, si ce n'est les pieds sur mer, mais en tout cas les pieds sur terre, c'est de voir d'autres marins qui, eux, des Vendée Globe, ils en ont gagné. Ça remet les choses à leur place. Ouais, mais c'est vrai que c'est un univers. Il y a une culture, vous êtes exactement. Donc, j'habite à La Forêt-Fenon, un tout petit village. Hein. Mais dans ce village, c'est vrai qu'il y a beaucoup de marins. Il y a un centre d'entraînement. Il y a Michel Desjoyeaux, Jean Le Cam, Roland Jourdain juste à côté. Il y a plein de marins dans cet univers. C'est un peu comme... Il y a un microcosme de la course au large, de la voile. Et c'est vrai que c'est ça... Ça c'est comme Nicole Garcia, on a regardé, c'est pas sur la carte. Hein. On n'a pas vu le bled. Et évidemment, vous êtes entre vous, quoi. Ouais, on progresse, on apprend. Et c'est vrai qu'il y a... Les passions, quand elles sont fortes comme ça, c'est vrai que c'est plus facile de les partager avec des gens qui la comprennent et qui la respectent. Et c'est vrai que c'est pour nous que vous dites ça. Non, mais c'est vrai que c'est plus facile de vivre le métier de marin en Bretagne, près de la mer, qu'à Paris, évidemment. On va voir si Vanessa Burgraff et Yann Moix vous comprennent et en tout cas ont aimé votre passion et ont partagé votre goût de l'aventure, parce que ça reste quand même quelqu'un qui a le goût de l'aventure. Vanessa, d'abord. D'abord, c'est un livre très personnel, hein, parce que vous racontez en effet votre vocation, mais aussi votre vie perso. Justement, vous avez eu un enfant, vous êtes séparé de la mère de l'enfant, vous vivez aujourd'hui avec une autre femme. Alors moi, c'est pas ce qui m'a tellement intéressée dans votre livre. Ce que j'ai trouvé passionnant, c'est le duel avec Armel Lecléache lors de votre victoire du Vendée Globe, parce que vous avez eu des galères, hein, notamment votre pompe à injection. Je suis obligée malheureusement de le lire parce que c'est très technique. La pompe à injection de votre hydrogénérateur, donc qui vous lâche. La difficulté aussi de communiquer, parce que ça c'est aussi assez intéressant, c'est-à-dire que il faut donner des informations, mais il faut pas en donner trop pour que l'adversaire ne vous double pas. Donc tout ça c'est quand même très calculé. Aujourd'hui les bateaux, on le voit avec la technologie, sont de plus en plus performants. On ne déroule plus, comme le marin d'antan, les grandes cartes, hein, tout est sur ordi. Et la question que je me pose, c'est finalement le Vendée Globe, est-ce que ce n'est pas devenu une grande régate et plus vraiment une course autour du monde en solitaire? Parce que finalement, Armel Lecléache, il était toujours à proximité de vous. Hein. Est-ce que le risque est aussi important qu'il l'était il y a quelques années? Est-ce que la peur de la mort est toujours aussi présente? Non, le Vendée Globe évolue évidemment, et c'est vrai que Le Vendée Globe, la première édition, alors j'avais 6-7 ans, les marins partaient, on ne savait vraiment pas où ils allaient, ils ne savaient pas eux-mêmes comment ça allait se passer, c'est la première édition, donc il y avait cette magie, vraiment en effet de l'aventure qui n'existe plus aujourd'hui de la même façon. Qui n'existe plus, oui. Pas de la même façon, évidemment elle a évolué. Est-ce que le Vendée Globe est plus une régate qu'il y a 20 ans? Évidemment. Là, cette course a évolué. Pourquoi? Parce que est-ce que ça ne ressemble pas un peu à de la Formule 1, finalement, aujourd'hui? La course à voile, d'une certaine manière. C'est un sport mécanique. Je ne sais pas si c'est la Formule 1, Paris-Dakar, du rallye, un petit mélange de tout ça. Mais évidemment que ça évolue. Et quand on fait de la voile aujourd'hui, de la mer, c'est pas... Et le Vendée Globe, dans les années 80, n'avait rien à voir avec Christophe Colomb quand, 5 siècles avant, il traversait l'Atlantique. Vous avez peur de la mort quand vous faites une course comme ça, en disant il peut m'arriver vraiment une grosse galère, je peux mourir en mer? Il y a conscience du danger, évidemment. Enfin, on sait qu'on ne part pas faire n'importe quoi, mais comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas l'impression de dire je vais mourir. Ce n'est pas du tout ma recherche. Pas l'impression de prendre des risques, en fait. Prendre des risques
acceptable. D'accord. Quand vous prenez votre voiture, vous prenez des risques. Vous le savez, il y a tous les ans, il y a des gens qui... Mais voilà, on prend la voiture en disant on accepte un certain risque et on fait attention, plus ou moins, mais voilà... On sait, vivre, c'est prendre un risque. Donc à un moment donné, Nicole Garcia va intervenir. Non, je veux dire qu'on est tous hantés par la mort de Tabarly entre l'Angleterre et l'Irlande, comme ça, un soir de tempête tout seul. Est-ce qu'il y a quelque chose de la sécurité qu'on finit par lâcher à un moment donné parce que vous en parlez à moi dans le livre sur ce gilet, sur accroché ou pas, ou être. Ou est-ce qu'on finit par. Aujourd'hui, par exemple, je m'accroche beaucoup plus, je porte un gilet beaucoup plus que le faisaient nos prédécesseurs. Eric est malheureusement décédé. Il était. Il était seul. Non, il n'était pas seul, il était en équipage. Là où malheureusement il est tombé, c'est probablement pas la chose la plus difficile ou extrême qu'il a faite. Et ce que je veux dire par là, c'est que. Il a fait des tas de trucs incroyables. Et voilà. Mais ça on dit qu'il n'était pas accroché, qu'il était sans gilet. Bien sûr. Ouais. Tu sais, le grand grimpeur Patrick Hédinger, là, l'homme araignée, il est mort en tombant dans un escalier quand même. Chez lui. C'est vrai. C'est absolument vrai. Voilà. Jean, je ne sais jamais si vous dites une connerie. Non, mais c'est vrai. On peut vérifier. Après, non, mais c'est vrai. C'est absolument vrai. C'est pas drôle du tout. C'est pas drôle. Non, mais c'est pour ça. C'est la relation. Mais le mec, il avait fait quand même des exploits incroyables. Ce qui montre bien qu'on peut faire des choses qui paraissent extrêmes d'une manière raisonnée. C'est ce que j'essaie de faire. Mais vous êtes très raisonnable comme garçon, il faut quand même dire. Oui, d'ailleurs, dans le livre. Oui, vous êtes un peu gendre idéal, vous avez tout. Enfin, vous êtes très raisonnable. Vous prenez des risques calculés, vous le dites. Je n'ai pas envie de risquer ma vie. Alors, en l'occurrence, sur le risque humain, j'accepte un risque, évidemment, mais c'est le risque de vivre et je veux pas y rester, ça c'est évident. Yann Moix. Page 224. Bon. J'ai pas fait de politique. Vous dites, sur les quais, lors de l'arrivée au sable, il y a des banderoles portées par des femmes qui brandissent leur 06 à mon intention ou qui lancent « épouse-moi ». Je vis le même cauchemar tous les jeudis en sortant du studio, je vous comprends. Menteur. Non. Alors, j'ai appris... parce que moi, je tombe des nues, je n'y connais rien. Je suis très ami avec Olivier de Kersauzon, mais en général, on parle de tout, sauf de voile. Là, j'ai appris un truc. Vous dites, nos voiliers possèdent tous un moteur. Oui. Si nous devons porter assistance à un autre concurrent. Le moteur est aussi, sur beaucoup de bateaux, la source d'énergie principale. Il fait office de générateur et tourne régulièrement, quotidiennement, consommant environ 100 litres de gasoil pour un tour du monde. Le moteur permet ainsi le bon fonctionnement du pilote automatique et de l'ordinateur. Je tombe des nues, en fait. Je suis très naïf. Mais je ne savais pas qu'il y avait des moteurs sur vos bateaux. J'imaginais un truc déconnecté de toute pollution possible, sans le brouhaha, sans le vacarme. J'entends bien le côté secouriste, mais c'est pas dommage quand même Ah oui, c'est dommage. Non, alors je suis entièrement d'accord. Et ça date de quand, le moteur ? L'invention du moteur. Depuis toujours, en fait. On n'a jamais, sur n'importe quel bateau de plaisance, et même sur beaucoup de bateaux de course, certains bateaux en record suppriment les moteurs. Mais en course, on a un moteur. Alors pourquoi on a un moteur ? En effet, c'est pour pouvoir porter assistance à d'autres bateaux si jamais on est en difficulté. Alors, je vous rassure, l'arbre d'hélice. Vous pouvez tricher ou pas ? Non, alors l'arbre d'hélice est plombé. Donc, du coup, on ne peut pas faire tourner l'hélice. Par contre, on peut se servir du moteur pour produire de l'énergie. Pourquoi ? Parce que nos bateaux ont besoin d'énergie, on a de l'électronique à bord. Et est-ce que c'est dommage ? J'ai envie de dire oui, parce que c'est vrai qu'on est un peu dans la facilité, je l'admets complètement, en faisant tourner ce moteur qui est la source d'énergie la plus simple. Parce que le moteur est à bord, il est là, et c'est la façon la plus simple et la plus efficace pour produire de l'énergie. Par contre, on aurait des règles qui nous obligeraient quelque part à ne pas l'utiliser. On pourrait développer, on a à bord des hydrogénérateurs, donc c'est comme une petite éolienne qu'on met dans l'eau qui produit de l'énergie, on a des éoliennes qui produisent l'énergie avec le vent, des panneaux solaires, on a tout ça, mais souvent en système de backup, en ce qui concerne à bord de massif, c'est les systèmes, si jamais le moteur tombe en panne, on peut produire de l'énergie avec ces autres systèmes, systèmes alternatifs, et ce n'est pas notre source d'énergie. D'accord. En tout cas, vous n'êtes pas déconnecté de la réalité, c'est certain. Vous le prouvez dans votre livre. Vous vous intéressez à ce qui se passe, même à la politique. Et on parle aussi de cette époque des attentats du 13 novembre. Vous dites, le 13 novembre 2015, je suis à bord de Massif, au large du Brésil, en convoyage retour. Nous venons de passer devant Rio de Janeiro, commençons à slalomer entre les plateformes pétrolières qui encombrent l'horizon. Je suis en mer à près de 10 000 km, mais je peux suivre en direct sur le réseau social la violence des attaques qui touchent la capitale. Je suis stupéfait, étourdi. Cette barbarie paraît encore plus stupide et inhumaine vue depuis le pont d'un bateau. Pourquoi se faire autant de mal ? Comment l'homme peut-il être aussi cruel envers lui-même ?
En mer, nous ne sommes pas au cœur de la mêlée, nous ne nous sentons pas attaqués, même si nous craignons pour nos proches parisiens. Nous aimerions aider, mais nous sommes impuissants, incapables d'apporter une aide quelconque. Pour autant, l'éloignement donne souvent une vue plus claire des enjeux. J'ai l'impression que la distance permet une juste évaluation des problèmes, donne un surcroît de lucidité, oblige à trier entre l'accessoire et l'essentiel. En mer, hors course, on a le temps de réfléchir. Expliquez ce que vous avez ressenti à ce moment-là. On prend un peu de recul. Quand on est on vit dans la société et qu'on est dans l'action en permanence, c'est vrai qu'on a du mal à prendre un peu de recul. Et c'est vrai que quand on est en mer, on est un peu sorti de. On vit un autre rythme. Alors en course, c'est un rythme qui est encore différent, mais comme. Là, c'était hors course. C'était hors course. Donc voilà, on a un peu plus le temps de se poser, de réfléchir. Et là, justement, de regarder quelque chose qui était atroce. Et voilà, et ça paraît encore plus surprenant. Enfin, évidemment, ça l'était aussi ici, mais je crois. Enfin, voilà, il y a des choses qui me sautent encore plus aux yeux, je crois. Quand... Vous ajoutez, vous vous mouillez, hein, pour vous qui n'aimez pas l'eau. Vous allez plus loin, vous dites avoir peur est normal, mais il ne faut pas y céder. Le repli sur soi est la pire des réponses. Le monde s'est miniaturisé. L'Afrique était une autre galaxie, c'est désormais à deux clics, et cette proximité est une chance. La montée de l'extrême droite, portée par des discours démagogiques en France et en Europe, m'inquiète de plus en plus. En région PACA, une personne sur deux vote Front National. C'est à l'opposé de ce que je crois. Il faut parier sur l'ouverture d'esprit et sur le courage politique. On doit dépasser ce clivage droite-gauche qui ne signifie pas grand-chose et qui est inopérant. Vous êtes courageux, peu de sportifs. Voilà, politiquement, comme ça, se déclare opposé à la montée de l'extrême droite ou au Front National. En effet, quand j'ai commencé à écrire ce livre, je m'étais dit je ne parle pas de politique et je n'en parlerai jamais. Et puis en effet, je l'ai fini au printemps et ce qui se passe en ce moment, ça me choque, ça m'inquiète, hein, tout simplement. Et voilà, je sais pas, je vais pas avoir de discours politique, hein, je vais pas, et j'ai pas de solution. Non. Mais par contre. Je vois des choses qui m'inquiètent et je pense, j'ai juste là, je crois pas que le repli, comme je disais, la peur, le fait de se renfermer sur soi soit la solution. C'est vraiment juste, c'est modestement juste ce que je crois. Vous n'allez plus loin, vous allez plus loin, hein, vous écrivez un peu plus loin dans le livre, dans ce chapitre, c'est quand même très intéressant. Vous dites, l'Occident doit accepter un retour à la sobriété afin de permettre un partage des richesses. Il faut en rabattre sur un certain confort afin de limiter le réchauffement climatique, mais aussi pour entrer dans un transbordement partiel des fortunes et des facilités. Sans cet effort, il est peu probable que l'on puisse en terminer avec les rencognements identitaires, religieux ou nationaux. Ça, c'est quand même un véritable engagement que d'écrire ça. Je pense qu'on n'a pas vraiment le choix, en fait. Et on parlait des réfugiés, c'est évidemment un problème qui nous concerne tous. Et on ne peut pas fermer les yeux. En effet, je n'accueille pas de réfugiés chez moi et je ne le fais pas. Mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas qu'on aille vers quelque chose pour les aider. Nicole ? Non, j'y prends le risque de les croiser, les migrants. Là, en Méditerranée, c'est sûr, pour le prochain. En Méditerranée, vous serez... Que faire à ce moment-là ? C'est un vrai problème. Je soutiens une association qui s'appelle SOS Méditerranée là, depuis quelques semaines, qui aide justement des migrants, qui aide à sauver les réfugiés qui sont dans un état qui meurt en mer. Hein. Il y a des milliers de personnes qui meurent en Méditerranée en ce moment, juste à côté de chez nous. Il y a des associations qui aident à les sauver. C'est sûr qu'avec. Je ne dis pas que notre bateau a vocation à faire du sauvetage maritime, mais voilà, ça me fait mal, moi, en tant que marin, de savoir. En mer, il y a des gens qui meurent. Et c'est aussi, pour nous tous terriens, terrible de savoir qu'il y a des personnes qui sont dans des situations très graves. Yann Moix, dernière question. Non, juste pour résumer votre parcours et vos idées politiques, je dirais que c'est un marin qui n'aime pas la mer ni la marine. Rêver large, c'est passionnant. C'est un parcours exemplaire. Et on va vous souhaiter bonne chance avec votre nouveau bateau. Il est comment, ce nouveau bateau? Alors, performant déjà. Il va vers le vol. Vous avez déjà gagné quelque chose avec? Oui, la Transat Jacques Vabre l'an dernier et la Transat anglaise en début d'année. Voilà. Et donc, on vous souhaite une bonne traversée de la Méditerranée et après, évidemment, peut-être battre ce record de joyons, c'est ça? Exactement. Record autour du monde, en solitaire, mais sans concurrence. Ce sera un record de rapidité, là, j'ai bien compris tout.
je suis parfait, je deviens incollable en navigation, alors que ce n'est pas vraiment mon domaine, je n'ai pas vraiment le pied marin. Mais je n'ai pas eu mal de mer en vous interviewant, c'est déjà pas mal. Rêvez large, c'est chez Stock et c'est signé François Gabart. Merci à vous. Deux duos encore dans On n'est pas couché, un duo sur scène qui triomphe actuellement au théâtre de l'Atelier, ça s'appelle Le Chat. Une haine s'installe dans ce couple qui, pourtant, au départ, s'est choisi puisqu'ils se sont imposés eux-mêmes l'un à l'autre. Un couple qui va finir par ne pas se parler. Ça crée une ambiance lourde, mais c'est l'occasion de voir deux grands acteurs au théâtre. Le Chat à l'Atelier actuellement, Myriam Boyer et Jean Benguigui. Mais d'abord, la bande dessinée, c'est à vous, Rhys et Richard Malka. Pour la face crachée de Marine Le Pen. Alors, tout à l'heure, elle a posé le doigt là où il ne fallait pas, notre amie Vanessa Burgraff, elle a dit « ça rend sympathique Marine Le Pen ». Vous aviez conscience de ça, Richard Malka ? Non, j'avais... C'était le danger de cette bande dessinée ? Ah oui, j'avais conscience du risque. Dès le départ, il y avait le risque de la rendre trop sympathique, il y avait le risque de tomber dans la caricature que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire fasciste, nazi, ce qui n'apporte rien du tout au débat. Donc il fallait naviguer entre ces deux dangers. Et puis j'avais autour de moi des co-auteurs qui représentaient chacun ce risque-là. C'est-à-dire que d'un côté, j'avais Saïd Maran qui me disait « Ouh là là là, mais non, il faut toujours rester dans la réalité, il ne faut pas aller trop loin, ce n'est pas possible, tu ne peux pas aller jusque-là, c'est de la caricature. » Et puis j'avais Rhys et Petit Luc, qui a aussi participé à cet album, qui me disaient « Non, 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 mais vas-y, vas-y, vas-y. » Alors, justement, vous êtes toujours l'avocat de Charlie Hebdo. Ouais. Ouais. Rhys est directeur aujourd'hui de l'hebdomadaire. Est-ce qu'il va bien, d'abord, Charlie Hebdo, avant que je donne la parole à Yann Moix et à Vanessa Burgraff? Où on en est? C'est une question que j'ai envie de vous poser, parce qu'au fond, on sait, évidemment, tout le drame qu'a connu cet hebdomadaire, l'engouement qu'il y a eu, le côté « je suis Charlie », les histoires aussi financières ensuite qu'on connaît. Aujourd'hui, on en est où à Charlie Hebdo? C'est d'abord, il se vend bien, Charlie, aujourd'hui? Bah, il se vend correctement autour de... Mieux qu'avant ou pas? Oui, mieux qu'avant, oui. Il se vend autour de 50 000, 60 000 exemplaires, et puis à peu près 50 000 abonnés. Donc ça, il y a à peu près toutes les semaines 100 000 lecteurs réguliers. Voilà. Et vous avez des difficultés à trouver de nouveaux dessinateurs? Toujours? Bah, ce n'est pas des difficultés, c'était déjà comme ça avant. Ça n'a jamais été facile de trouver des dessinateurs qui sont dans le profil de Charlie Hebdo. Donc avant aussi, il n'y avait pas non plus tous les 15 jours des dessinateurs qui arrivaient. Donc c'est un travail... Au long cours, exactement. Voilà, d'en trouver, et puis de travailler avec eux, de les faire évoluer. Remplacer Charb, Cabu, Volinsky, c'est pas si évident. On remplace pas Charb, Cabu, Volinsky. Voilà, on continue à faire le journal. C'est autre chose. Yann Moix, puis Vanessa Burgraff sur la face crachée de Marine Le Pen, une bande dessinée qu'on vous conseille à lire avant la présidentielle. Avant de commencer quoi que ce soit, je voulais savoir s'il était possible de montrer la case du haut de la page 46. Bah, bien sûr, et cela pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a encore un lien avec la pièce de Jean Benguigui et Myriam Boyer sur sur un chat qui a disparu. Et puis, un petit détail qui résume tout le côté extraordinaire. Voilà. Vous voyez, il y a Jean-Marie Le Pen. Artémis, Artémis, papa, tu n'aurais pas vu mon adorable petit chat. Et surtout, on voit Jean-Marie Le Pen qui lit tranquillement dans son jardin les protocoles des sages de Sion, qui est un fameux feu antisémite du début du siècle dernier. Et ça résume absolument toute l'intelligence de cette bande dessinée. C'est-à-dire, ça va, si j'ose dire, dans le détail. Dans les détails. Et oui. En fait, c'est une bande dessinée, comme toutes les grandes bandes dessinées, peut être lue à tous les registres. C'est-à-dire, un gamin qui ne connaît rien à la politique verra tout à fait qu'il est dans un monde de monstres et de méchants. Avec cette subtilité que tous les méchants ont leur personnalité propre et leur idéologie propre. La plus grande réussite de ce livre est de montrer que le Front National est une sorte de marigot dans lequel personne n'est d'accord. Il y a les chevènementistes, il y a les antisémites, il y a les racistes, il y a les souverainistes, il y a les haineux qui ne connaissent rien à rien, il y a les méchants professionnels, il y a les traîtres. Et entre eux, et c'est la deuxième grande réussite, on voit qu'ils ne sont pas simplement des traîtres à la démocratie, ils sont des traîtres à l'intérieur de leur propre parti. Ça, c'est très réussi. La deuxième chose, la troisième, c'est quelle est la difficulté? C'est de caricaturer un mouvement politique qui est déjà une caricature. Quelque chose qui exagère. Le Front National est dans l'exagération perpétuelle. Et donc, quelle était la difficulté? Est-ce qu'on va exagérer l'exagération ou est-ce qu'on va trouver un moyen de la rendre à peu près normale? C'est-à-dire ne pas tomber dans la case du fascisme et du nazisme et tout ça. Et donc, pour moi, je trouve que la bande dessinée arrive à son résultat, à savoir que
pour une fois, la complexité d'un parti est rendue de manière totalement fluide. Et c'est ça la vraie difficulté avec le Front National. Si vous dites qu'ils sont fascistes, il y en a 500 qui vont sortir en disant la preuve que non, etc., etc. Donc là, et c'est vrai aussi ce que vous dites chez les électeurs. D'ailleurs, il y a un dessin qui montre Florian Philippot avec un graphique qui explique à Marine Le Pen, c'est la merde, de toute façon, notre électorat, c'est 20% de fachos, hein, l'électorat du Front National, 20% de fachos traditionnels, 40% d'anti-islam et 40%, et c'est ça le plus important peut-être, 40% de misère sociale. C'est cela peut-être à qui vous vous adressez évidemment, parce que les autres vous les ferez pas changer d'avis. C'est les 40% de misère sociale à qui vous destinez ce livre. Je renonce à faire changer d'avis personne. Ah, personne. Je m'adresse à tout le monde. Je ne donne de leçons de morale à personne parce que j'ai horreur d'en recevoir. Donc j'essaie d'informer en faisant rire, et la bande dessinée permet beaucoup de liberté par rapport à un essai de journaliste, par exemple. Donc j'utilise cette liberté-là pour informer, pour faire rire. Et puis c'est mon interprétation de la Marine Le Pen. Alors ça, c'est le rôle du scénariste dans une bande dessinée. Et puis Rhys, ensuite, il ajoute son talent et son art pour rajouter les petits détails et pour croquer. Mais non, je m'adresse à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit... Donc aux 100% de ceux qui en ont ras-le-bol des autres partis, puisque c'est la case suivante, hein, c'est page 40 de cette bande dessinée. On voit Marine Le Pen qui effectivement fait le bilan. Alors 40% de fachos traditionnels, 40% d'anti-islam, 40% de misère sociale. Ça fait tout ça 100% de ras-le-bol des autres partis. Et là, il y a Philippot qui lui répond. Le problème, c'est que nos bastions du Nord, ceux de la souffrance sociale... sont pour la sortie de l'euro, ça c'est dans le nord de la France, et nos bastions du sud de la France, ceux des commerçants petits propriétaires anti-islam, eux sont contre la sortie de l'euro. C'est tout le paradoxe, hein, c'est ce qui était en train de nous expliquer Yann Moix, tout le paradoxe de ce parti. Moi ce qui m'a frappé, c'est que c'est les contradictions, c'est le côté complètement hybride de ce parti. C'est-à-dire que sur Marine Le Pen se dit laïque, mais son parti ne suit pas du tout, ils sont pour le Concordat, il y a la frange de catholiques intégristes, il y a Marion Maréchal Le Pen qui nous parle du sacre de Reims. Sur l'euro, la moitié veut sortir, l'autre pas. L'Europe, c'est pareil. Certains sont ultra-libéraux. Jean-Marie Le Pen voulait supprimer l'impôt sur le revenu. D'autres sont quasiment en matière économique à la gauche de la gauche. Florian Philippot a une espèce d'emprise et est devenu, on l'appelle l'hémisphère gauche du cerveau de Marine Le Pen. Mais en même temps, il est détesté par à peu près tout le monde au Front National. C'est lui qui la cultive. C'est lui qui l'alimente, qui la nourrit, qui la rassure. Parce que ce qu'il s'avère aussi, c'est que Marine Le Pen est quelqu'un qui est très peu sûr de soi et il a pris une emprise. Et ça, tout le monde au sein du Front National le constate, le dit, et beaucoup craignent et n'aime pas vraiment Florian Philippot, qui est considéré comme venant de la gauche, puisque au départ, il est chevènement. Il avait même un portrait de chevènement chez lui. Hein, voilà. Vous l'avez fait avec oui, un... ça, je l'ai un peu inventé, pour le coup. Ah, c'est vrai, oui. Et la pire des contradictions dans tout cela, et là, on arrive à quelque chose, à une tragédie un peu grecque, c'est que, enfin, c'est mon interprétation en tout cas, c'est que Marine Le Pen fait de la politique, s'engage dans la politique pour réhabiliter son père, parce qu'elle n'est pas destinée à faire de la politique. C'est sa grande sœur Marie-Caroline Le Pen qui devait reprendre le flambeau, sauf qu'elle s'est mariée avec un maigrettiste et que donc elle est excommuniée. Donc c'est la petite sœur qui reprend le flambeau plutôt que d'être avocate. Elle fait de la politique pour réhabiliter son père et finalement, elle le tue de la pire des manières, puisqu'elle va jusqu'à l'exclure du Front National. On en a même des suites jusqu'à cette semaine. On considère aussi que Jean-Marie Le Pen passe sa vie à tuer ses filles. Absolument. Et ça va dans les deux sens, mais c'est la beauté de la tragédie grecque. J'ai deux petites questions à vous poser. Nicole Garcia, vous voulez juste intervenir. Est-ce qu'entre-temps, elle a pris le goût de la politique ou pas? Où elle est restée, cette personne, comme ça, peu sûre, qui était venue pour le père et qui se trompait Elle a évidemment pris le goût de la politique, de l'adrénaline que cela représente. Elle a tellement sacrifié. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Elle est dans une logique qui l'entraîne à ça. Et elle avait des raisons de tuer le père. Parce qu'on le raconte, le père lui dit « Mais tu sais, puisqu'on ne me considère plus au sein du Front National, je vais te faire un détail par jour, juste pour t'emmerder. » Lâcher une bêtise à la radio ou à la télévision. Voilà. Oui. Vanessa Burgraff.
Je ne sais pas quoi dire de plus, là, parce qu'on rit beaucoup, c'est vrai, en vous le disant, surtout, et vous venez de l'évoquer, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, c'est qu'il y a une vraie enquête journalistique sur qui est Marine Le Pen. On ne va pas revenir sur les dissensions des différents courants au sein du Front National. Je vous le redis, moi, ce qui m'a gênée, c'est que vous la rendez très, très sympathique. C'est une femme très libérée, qui rompt avec les siens. Je ne suis pas sûr que c'est ce qu'elle pense, mais bon. Oui, mais vous, en tout cas, c'est cette manière-là dont vous la rendez. Moi, franchement, moi, c'est ce qui m'a gênée en lisant votre BD. Elle rompt avec les fachos du GUD, elle rompt avec son père, avec tout son discours sur la Seconde Guerre mondiale. On la voit une femme très fragile qui va voir son psy, qui est sous la coupe, on vient de le dire, de Florian Philippot. Et on ne vous a pas entendu là-dessus. Riz, c'est intéressant parce que la dernière page du livre, « Moi, je ne dessine pas Marine Livide qui appelle son père à l'aide » et dit ensuite « Ça l'humanise trop, c'est nul ». Est-ce que vous trouvez que vous l'avez trop humanisé, hein ? Je ne vois pas comment on peut trop humaniser un être humain. Je veux dire, Marine Le Pen, elle fait encore, aux dernières nouvelles, elle fait encore partie de l'espèce humaine. Après, c'est... Est-ce que vous ne la rendez pas sympathique ? Ça, vous savez, c'est le problème de tous les hommes politiques. On a eu tout à l'heure Éric Woerth. Tous les hommes politiques, quelle que soit leur tendance politique, dans le privé, ils sont tous sympathiques. Après, c'est le personnage politique et c'est le rôle politique, c'est le discours politique. Et c'est vrai que quand on parle de Marine Le Pen, avec tout ce qui s'est passé avec son père, on est obligé un peu de s'intéresser à sa vie familiale, à une vie personnelle où, ma foi, c'est des rapports de père-fille qu'on pourrait trouver ailleurs. Mais le livre n'occulte pas aussi les problèmes politiques, ses positions politiques. Mais c'est pas une facho dans le livre. Mais c'est une républicaine. Non. Parce que non, mais le terme facho, justement, c'est un peu comme le terme nazi. Ça fait référence à des périodes historiques qui sont passées. Mais moi, je dirais pas que c'est une facho. Je dirais qu'elle est, j'emploierai un autre terme, qui est toujours valable, qui ne fait pas référence à des périodes d'histoire passées. Elle est, je dirais, d'extrême droite. Parce que l'extrême droite, ça existe toujours. Il y a des mouvements fascisants qui n'existent plus. Le pétainisme, le nazisme, tout ça. Donc c'est idiot de qualifier cette génération-là avec ces termes-là. Mais l'extrême droite, dans la géographie de la vie politique française, ça existe toujours et elle est à cet endroit-là. Donc, on vous peut la dire... présentez aussi comme une marxiste. Donc c'est quand même très paradoxal. Ça, c'est un peu ironique aussi. Je veux dire, ce qu'on voit surtout... C'est qu'en l'influence de Florian Philippot. Non, mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'à mon avis, elle n'est pas très vertébrée et qu'elle est très influençable et qu'elle peut se laisser influencer par des théories séduisantes qui peuvent, comme vous le dites, s'apparenter à plus ou moins du marxisme. Je vous rassure tout de suite, je crois qu'elle n'est pas marxiste. Elle est léniniste. Voilà. Je crois que ça montre qu'au contraire, c'est quelqu'un qui n'est pas très sûr d'elle politiquement. Et du coup, c'est ça aussi qui fait peur, c'est qu'on n'est pas bien sûr de savoir où elle va elle-même. Elle veut entraîner, elle veut diriger la France, mais c'est elle-même où elle est. C'est très flou, quoi. Vous allez comment aujourd'hui ? Sur quel plan ? Bah, sur le plan physique, hein, psychologique aussi. Ce serait trop long à répondre. On fait comme on peut, quoi. Voilà. On vit avec ça, c'est tout. Voilà. Vivre toujours sous protection, travailler sous protection, c'est votre quotidien ? Oui, pour le moment, c'est ça, voilà. Vous espérez qu'un jour, vous dites, mais est-ce qu'un jour, on pourra redessiner tranquillement sans être sous cette pression ? Ben, redessiner, en tous les cas, nous, à Charlie Hebdo, c'est vrai qu'on est obligé de prendre beaucoup de précautions et qu'on vit, c'est vrai, dans la crainte d'un certain nombre de choses. Voilà, on n'est pas insouciant, ça, c'est sûr. Et le monde a changé aussi à cause des réseaux sociaux. Avant, les dessins de Charlie passaient inaperçus. Ces derniers temps, il y a eu plusieurs polémiques, alors que... Moi qui lis Charlie depuis très très longtemps, les dessins qu'on voit aujourd'hui dans Charlie sont ni plus ni moins satiriques, méchants, traitent de la mort ou des attentats, des catastrophes naturelles ou pas. Il y a toujours eu ça, on se souvient de balles tragiques à Colombey par exemple. C'était la une incroyable de Charlie à l'époque de Gaulle. Et là il y a eu ce séisme en Italie pour lequel il y a eu un tollé contre Charlie à cause de ce dessin. Penne sauce tomate, penne gratinée lasagne. Ça, c'est l'esprit Charlie. Il faut expliquer à ceux qui ne connaissent pas Charlie Hebdo, ça a toujours été cet esprit-là. Que ça choque ou pas, Charlie Hebdo, ça a toujours été ça. Oui, ça a toujours été ça, mais il y a des gens... Et même Harakiri, d'ailleurs. Oui, c'était même pire, je dirais. Pire. Mais c'est, comment dire, les gens ont aussi découvert Charlie Hebdo et il y a aussi... ils l'ont découvert un peu de travers. Ils ont découvert ça partiellement à l'occasion d'un événement particulier et ils ont aussi une vision biaisée du journal à travers tout ce qui s'est passé en janvier. C'est vrai que les lecteurs... habitués à Charlie ne sont pas choqués par ça. Et puis c'est un humour. Moi, je revendique que le droit à l'humour noir, voilà, c'est aussi un genre qui existe. On n'est pas obligé de faire à chaque fois des dessins avec une signification politique très précise. Voilà, c'est aussi le droit d'ironiser sur le tragique de la vie. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, les réactions sont disproportionnées. Ça change la façon de faire ? Non. Parce qu'en fait, moi, je ne passe pas trop mon temps sur les réseaux sociaux. J'ai pas envie de voir ce qui s'y passe.
Et puis, il ne faut pas se laisser influencer par ça. Et puis, ce qui compte, c'est d'avoir des gens qui nous comprennent. Ça a toujours été comme ça, Charlie Hebdo. Il y a toujours des gens qui nous ont compris. Ceux qui ne nous comprennent pas, ben, qu'est-ce que vous voulez? Tant pis, voilà, ils ne lisent pas Charlie Hebdo. Sauf qu'il y a une municipalité italienne qui a décidé, je ne sais pas si ça a été fait, de déposer plainte pour diffamation contre le journal. Là, je me tourne vers l'avocat. Alors moi, j'ai beaucoup moins de procès, hein, quand même, depuis quelques temps. C'est vrai. On n'ose plus, je crois. On n'ose plus attaquer Charlie Hebdo aujourd'hui? Je crois qu'il y en a eu un ou deux depuis. Donc oui, le rythme s'est beaucoup ralenti. Quant à cette procédure à laquelle vous faites référence... Non, pour l'instant, on en a C'est-à-dire pas. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils vont attaquer, ils voilà, n'attaquent pas. Voilà. Ça, c'est évidemment c'est assez. C'est un classique. Assez classique. Vous, en tant qu'avocat, j'ai juste une question, parce que c'est assez incroyable d'imaginer que vous pouvez être à la fois l'avocat et le défenseur de Charlie Hebdo, et celui aussi, par exemple, de DSK dans l'affaire de l'hôtel Carlton. Vous me direz, un avocat, il est toujours prêt à défendre tout, il peut défendre tout, mais quand même, DSK et Charlie Hebdo, ce n'est pas la même chose. Ah, oh bah, il est rock'n'roll, TSK, je trouve. Ah, c'est le côté. Ah, bah, moi, je défends la liberté quand je défends TSK. Je défends la liberté sexuelle, je défends la liberté de faire absolument ce qu'on veut dans sa sexualité à partir du moment où on est entre adultes et que c'est consenti. Quand Régis Jouffray sort un livre dont TSK est le personnage, TSK attaque Régis Jouffray, qui est un écrivain, qui a aussi une liberté d'expression. Et il y a quand même, là, vous créez une situation un peu confuse, enfin vous, c'est pas vous personnellement bien sûr, mais dont on pourrait penser que l'expression et la liberté d'expression n'est pas égale partout et tout le temps. Non, parce qu'il y a des limites pour tout le monde, pour Charlie Hebdo comme pour les autres. Et dans le livre de Régis Jouffray, en tout cas c'est ce qui a été jugé, c'est ce que nous disions, c'est que 95% du livre ne posait pas de problème. Sauf que quand il impute très précisément à DSK un viol, c'est-à-dire un crime, alors que la justice... C'est la liberté d'écrivain. Ah ben non, non, ça c'est trop facile. Vous ne pouvez pas dire ça, parce que si j'écris un livre en disant des horreurs sur Yann Moix qui a commis tel et tel crime... Avec une préface d'Eric Woerth. Voilà, ça va, vous n'allez pas me dire c'est la liberté d'écrivain. Ben justement, j'avais une question à ce sujet, parce que juste une chose que je voulais dire, c'est que il y a des bandes dessinées d'extrême droite et elles ne sont jamais drôles. Pourquoi? Parce que les bandes dessinées contre l'extrême droite, elles le sont, parce que celle-là est très très drôle. Parce que la bande dessinée, c'est quand même connecté à l'esprit d'enfance. Or, la haine de l'autre chez l'enfant n'existe pas. Et les bandes dessinées ne sont pas drôles parce que ce sont des bandes dessinées pour les adultes, par les adultes, sans esprit d'enfance. Ma question est que François Cortegiani, qui est un dessinateur connu qui faisait pif, etc., a été condamné à payer à un député du Front National 7 500 € pour une petite bande dessinée de 6 pages. Est-ce que vous craignez vous-même un procès pour cette bande dessinée? Mais non, on l'a dit, ils ont... Oui, mais... Elle est écrite par un avocat. Non, 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 non. Oui, mais pour cet album. J'ai été condamné pour diffamation déjà. Ah oui? Mais pour cet album. Au bénéfice de Dieudonné, pas de chance. Ah oui. Mais pour celui-là, vous mais craignez que... Pour celui-là, je pense pas que Marine Le Pen poursuivra, mais autour d'elle... et en particulier la galaxie Gude, avec laquelle elle n'a pas rompu du tout, et c'est un des problèmes, je ne sais pas. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le FN, il faut expliquer ce que c'est la galaxie Gude. La galaxie Gude, c'est les amitiés estudiantines de Marine Le Pen, groupement d'extrême droite violent, alors là, carrément néo-nazi pour le coup, véritablement, antisémite. Ils se réclament du national-socialisme. Absolument. Donc c'est des gens connus dont on a déjà parlé qui sont poursuivis judiciairement, même si eux aussi bénéficient de la présomption d'innocence, parce que quand on est pour des principes, on est pour des principes pour tout le monde. Mais donc on parle de Châtillon, on parle d'autres, et elle n'a jamais voulu rompre avec eux jusqu'à aujourd'hui. Et ils font ses campagnes électorales, ils font la communication de Marine Le Pen, ils financent, ils sont à ses côtés depuis le début. Et Collard, c'est un bon avocat alors? Il est croqué évidemment lui aussi. Dans... Collard avait un grand talent d'orateur. Pas à moi de dire si c'est un excellent avocat, je crois qu'il n'exerce plus. La face crachée de Marine Le Pen, c'est chez Grasset, c'est la nouvelle BD signée Malka Eris avec la collaboration de Petit Luc et Saïd Maran. Merci à tous les deux, vous pouvez rejoindre vos places. Allez monsieur Ben Guigui et madame Boyer, c'est à vous dans les fauteuils, dont n'est pas couché pour le chat. Alors, on l'a dit, l'un et l'autre jouer l'adaptation de ce roman de Simenon, car c'était avant tout, rappelons-le,
un roman avant d'être un film. C'est vrai qu'une autre génération, la mienne, on connaît le film parce qu'on l'a vu quand on était enfant ou adolescent avec Jean Gabin et Simone Signoret. Mais là, j'imagine que ceux qui ont adapté la pièce sont repartis directement du roman. Myriam Boyer, j'interroge d'abord Myriam, parce que je crois qu'elle est un peu plus à l'origine de la pièce que vous. C'est elle qui s'est battue. Oui, je me suis battue. Mais non, mais c'est vrai que c'est ce qui est très intéressant, c'est d'être revenu au roman, parce que ça n'a rien à voir avec le film. Avec le film. Rien à voir avec le film, puisque le film, c'est un couple qui vit depuis très très longtemps ensemble. Et là, ce qui est intéressant, c'est un couple qui se rencontre sur le tard. Et comme c'est du théâtre, c'est formidable d'avoir des personnages de Simenon. De revenir au personnage de Simenon, parce que Simenon, il y a toujours quelque chose qui est agréable à jouer. Par exemple, là, c'est vrai que c'est une bourgeoise, ce qui n'était pas le cas de Simone Signoret. Elle était une ancienne trapéziste. Et donc, Jean a le personnage de cet ouvrier retraité. Et le problème social est très important, parce que dans un couple, quand ça va bien, on ne s'en rend pas compte. Mais dès que ça pète, c'est quand même quelque chose qui rajoute à... Vous ne pouvez plus supporter. Alors, il faut dire que lui aussi, il accepte de venir chez vous et d'habiter chez vous et même de vous épouser, parce qu'il a un problème d'hébergement et de logement. Moi, j'étais en sous-location, j'avais une chambre, j'ai des gens qui déménagent. Je pense peut-être à l'habiter chez mon fils, je ne suis pas sûr que ça soit bien. Et elle me propose, mais c'est formidable, c'était en quatre répliques quand même. Elle me propose le mariage. Ça, c'est oui. C'est vrai que ça va vite. Ça va vite. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis. Oh là là, ça va vite. Oui. Oui. Elle a besoin d'un homme. Elle a besoin d'un homme à la maison, voilà. Mais c'est vous, l'homme, Jean-Ben Guigui. T'imagines la chance? Oui. C'est vrai. Non, mais ce qu'il y a de bien, moi, je voudrais... Il y a quand même aussi, dedans, parce que la pièce est très noire quand même, il y a quand même des soirs où les gens rient. Les gens rient quand même, parce qu'il y a des ressorts de comédie. Il y a quand même constamment... Simenon est très fort. Il faut pas qu'on fasse croire aux gens qu'ils vont aller voir un boulevard, hein, c'est pas un boulevard. Ils vont avoir une petite place dans le 18e où il y a le théâtre de l'atelier, du théâtre de place. Ouais. Voilà, comme ça. Mais les gens rient quand même, hein, parce que c'est des rires de défense. Parce qu'on se balance à la gueule tellement d'horreur. C'est pas possible. Moi, je dis des répliques. Comment je peux trouver la méchanceté pour le dire? Je comprends pas. Parce que vous ne l'aimez pas, peut-être? Elle, personnellement, oui. L'actrice, non, je l'aime beaucoup, d'ailleurs. Vous savez pourquoi je l'aime beaucoup? On se fréquente très peu. Ah oui? Oui, ben oui. Racontez-moi pourquoi ça. Parce qu'on se retrouve surtout sur plateau, c'est vrai. Oui. Vous ne dînez jamais ensemble non. après le spectacle? Non, une fois. Faut dire que vous avez déjà joué la pièce. La pièce est bien rodée, vous pouvez y aller, parce que souvent on dit quand une pièce démarre, attendez avant d'y aller. Mais là, vous l'avez joué beaucoup en tournée. Oui, beaucoup. Et ça a été un triomphe c'est à travers surtout la France. À Lyon, on est resté, on a fait 60 représentations à Lyon. Et on n'a jamais dîné ensemble. Et en plus, à Lyon, c'est assez drôle. Je sais pas quand même. Un rapprochement qui se crée au bout d'un moment. Mais un rapprochement sur plateau. C'est mais il y en a un. Il y en a un, c'est vrai qu'on a... Mais pas envie de manger un petit morceau ensemble avant ou après le théâtre. Mais d'ailleurs, moi je mange pas avant, je mange pas après. Bah, je sais pas, alors couchez directement. Je mange après, tu vois, regarde. On va peut-être y penser. Oui, allez au lit direct, alors je sais pas, faites un truc. Faites un truc, mais c'est triste. Et finalement, vous n'êtes pas loin de la situation du chat. Vanessa Burgra, vous êtes allée à l'atelier. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est une pièce glaçante, lugubre, ce couple qui se... qui se détestent au point, justement, Laurent le disait tout à l'heure, où ils ne communiquent plus, ils s'envoient des papiers à la figure. D'ailleurs, je trouve que la scène la plus forte, c'est presque la scène du début, où ils ne se parlent même pas. Oui. C'est assez incroyable, cette scène muette. Et puis, les répliques sont parfois croustillantes, vous avez raison. C'est le mari qui dit à sa femme, tu m'as fait 3 fois du veau aux carottes, mais depuis, ta cuisine est aussi sinistre que ta figure. Voilà ce qui s'envoie à la gueule, à longueur de pièce. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce récit, finalement, qui n'est pas linéaire aussi. C'est allers-retours, finalement. Ah, la trouvaille. L'idée des flashbacks est très originale. C'est super, parce que justement, ça ne pesantit pas. On part du début de la rencontre, et puis ensuite, on va jusqu'à la détestation, et on fait comme ça des allers-retours. Moi, Myriam Boyer, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est votre ressemblance avec Simone Signoret. Parce que j'ai regardé Le Chat ensuite, avec Jean Gabin, mais j'ai l'impression d'avoir vu Simone Signoret sur scène. Votre ressemblance est vraiment frappante, c'est incroyable. J'ai toujours ressemblé à Simone Signoret. J'avais fait, à l'époque, on a vu tout à l'heure, les Brigades du Tigre. Et quand je suis arrivée sur le plateau, on a dit c'est casque d'or, parce que c'était le costume. Et donc, il y a toujours eu quelque chose... La vie devant soi aussi, évidemment. La vie devant soi, mais on ne m'a pas parlé de ressemblance sur la vie devant soi. Un triomphe au théâtre, en tout cas. Oui, 500 fois. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai cherché une perruque avec le metteur en scène et le producteur, et je demandais une perruque à la Chirac,
à Bernadette Chirac. Et quand j'ai mis cette perruque, c'était, pour moi, il y avait des petites queues comme ça, là, qui faisaient penser à Bernadette Chirac. Et après, on a dit, mais c'est Signoret. Mais c'est le hasard, mais complet. Le hasard, à part une ressemblance, qui d'ailleurs me touche. Je suis pas en train de me dire, non, quelle horreur. Je veux dire, il y a tellement de comédiennes qui revendiquent, je sais pas, Jacqueline Maillan, ou pourquoi pas, je veux dire, et pourquoi pas Signoret, parce que pour moi, c'était vraiment une des plus grandes. Ce n'est pas un mauvais choix, effectivement. Exactement. Il y a pire et donc, comme comparaison. Voilà, quand on pense à moi en se disant, on va lui proposer un rôle qu'a joué Signoret, je suis là. Parfait. Yann Moix. Alors, il y a une réplique que j'ai beaucoup aimée. D'ailleurs, j'ai aimé la pièce, parce qu'on a affaire à deux grands comédiens. Il n'y a rien qui m'exaspère plus d'entendre toujours « Ah oui, Jean-Benguigui, l'excellent second rôle ». Non, c'est un excellent rôle tout court. Pour moi, Jean-Benguigui est un grand acteur, et je me fiche complètement de savoir si le quatrième, le premier, le cinquième, le sixième rôle. Et vous, je vous adore depuis Série Noire, donc ça, c'est réglé. Et la pièce, bon, c'est un classique, c'est vrai, mais il y a un passage que j'ai adoré. Jean donc dit « J'ai bien réfléchi, après tout, je ne vois pas pourquoi je serais obligé de manger dehors, vu que c'est chez moi ici. Même si on ne peut pas dire que tu m'aies jamais fait beaucoup de place, alors la place, aujourd'hui, je me la fais. » Et c'est une pièce qui parle de la place qu'on a dans le monde, dans la société, dans le couple, dans le temps aussi, et donc dans l'espace. Quelle place on a sur cette terre. Et c'est une pièce, de ce point de vue, assez philosophique, et qui nous ramène quand même, paradoxalement, à vos débuts, Jean et Myriam, puisque vous avez commencé, vous, Jean, par le théâtre intello. Le théâtre, avec notamment... Chéreau, Vincent, alors, Hubert, tout ça, oui. À tel point mais que... c'est pas un télo, c'était du oui, théâtre. Oui, enfin, du vrai théâtre, en fait. Oui. À tel point que lorsque vous avez commencé à faire des comédies plus populaires, comme Ripoux contre Ripoux au cinéma en 89, vous avez dit, certains n'ont pas hésité à me traiter de social traître qui a vendu son âme de comédien pour du fric comme si j'étais milliardaire. C'est vrai. On a tous connu ça. Dès qu'on passe, quand on commence dans le subventionné, comme ça, dans notre jeunesse, après le conservatoire, par une autre école ou quoi, on est des espèces de militants de la culture. Et puis si un jour on va vers le cinéma ou faire des choses plus populaires, vous avez couché avec les Allemands derrière. Ça me reste. C'est là que j'ai commencé. Nicole Garcia, il faut que. Non, mais c'est vrai. C'est bien de dire ça. Parce que c'est assez incroyable parce que c'est vrai que c'est génial. Générationnel, oui. Il n'y a pas de règle, quoi. Quand on regarde le CV des acteurs qu'on reçoit tous, vous, par exemple, vous avez fait De Funès. Je ne savais même pas que vous étiez dans les gendarmes. C'est dans lequel gendarme ? Je quitte le plateau. Mais non, mais oui. J'aime rappeler ça, parce que quand on voit aujourd'hui la réalisatrice encensée que vous êtes, et qu'on se rappelle oui. Qu'au début, vous avez été avec De Funès dans Les Gendarmes, ben on se dit, ben voilà, tout est possible. Je fais, oui. Malheureusement, j'aurais aimé le connaître mieux, De Funès. C'est encore maman. Mais je fais une petite réplique avec lui, pas grand-chose. Mais depuis, on en reparle à chaque fois. D'ailleurs, on n'a pas dit, puisqu'on a signalé évidemment que c'était le 8e film en tant que réalisatrice de Nicole Garcia, mais on n'a pas dit que vous aussi, vous aviez réalisé Myriam Boyer. Oui. Peu souvent. Pourquoi ? Très peu. Parce que moi, je suis le contraire de Nicole. Je ne suis pas une réalisatrice. Je suis une comédienne qui a envie de faire des images et de raconter des histoires, les miennes, qui ne pourraient pas se raconter autrement que si c'est moi qui prends la caméra. Votre film, à vous, comment s'appelait-il quand vous aviez le premier film ? La mère Christine. Voilà. Oui. Et ça, c'est un film qui existe en DVD, qu'on peut voir ? Oui. Mais vous savez pourquoi je souris ? On voit là. J'ose pas vous raconter. Allez-y, allez-y. Parce que vous avez dit quand il est sorti, oui. Je ne sais plus quelle émission c'était. Et c'est, comment elle s'appelle, qui était formidable à France Soir, la dame, la critique. Monique Pantel. Voilà, alors Monique Pantel qui adorait Nicole Garcia aussi. Voilà. Chaque fois, elle parlait de ses soquettes à Nicole Garcia. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est... Ah, vous vous souvenez de ça, Nicole? Les soquettes des gendarmes. Et alors Monique Pantel vous dit... Vous êtes Myriam... ce soir. Il y a Monique Pantel qui vous dit « Myriam Boyer a réalisé, joué, produit et vous avez répondu bah, « Elle ira le voir toute seule ». Vous avez dit « Elle ira toute seule ». J'ai osé dire ça. Oui, et c'est un peu ce qui s'est passé. Ben voyez. Et il y avait votre fils, Clovis Cornillac, à l'affiche. Bien sûr. Alors c'est vrai qu'inévitablement, à chaque fois, vous parle de Clovis Cornillac, mais vous êtes fier, évidemment, du parcours. Ah bah, et comment ? Oui. On parle moins souvent du fils de Jean-Benguigui. Vous savez qu'il a un fils chanteur, Jean-Benguigui ? Oui. Vous le saviez ou pas ? Non, j'ai... Patrick Bruel. Si, quand même, on parle. On en parle. Oui, oui. Pardon, qu'est-ce que vous dites ? C'est Patrick Bruel. Mais non, c'est pas Patrick. Il est plus vieux que moi, Patrick Bruel. Il s'appelle Ben Guigui. Oui, je sais, mais il est plus vieux que moi. Tu vois. Il peut pas être mon fils. Non, le voilà, le fils de Jean-Ben Guigui. Antoine Léon-Paul. Moi, je voulais être un skipper.
Il n'y a pas de raison qu'on parle tout le temps du fils de Myriam Boyer. Merci beaucoup. On peut parler de votre fils à vous aussi, de temps en temps. Myriam Boyer, on a longtemps et souvent évoqué Série Noire, le film de Corneau avec Patrick Devers, ça c'était dans les années 70. Vous dites qu'à cette époque-là, vous avez fait beaucoup de films de copains, des films avec des bouts de ficelle, oui. Vous dites où tout le monde mettait la main à la pâte, et vous racontez même que sur le tournage de Série Noire, vous dites qu'il n'y avait pas d'habilleuse, non. Pas de maquilleuse. Non. Devers commençait à perdre ses cheveux. Oui, il avait la petite tonsure. Et c'est vous qui lui arrangiez comme vous pouviez ses cheveux, c'est vrai? Oui, et c'est lui qui séchait ma robe de chambre quand je tombe dans la baignoire. Mais pour la coiffure, est-ce que vous faites pareil avec Jean Benguigui chaque soir? J'ai moins de mal avec lui. Il me donne moins de mal. C'est fait. Évidemment, c'est un souvenir incroyable de Devers. Magnifique. Ça, c'est vraiment le plus grand partenaire que j'ai jamais eu, pardon. Je t'en prie, tu as tout à fait le droit. En plus, il est mort. Je m'en fous. Oui. Qui est con? Mais c'est vrai que c'est... Et puis c'était au cinéma, c'était pas au théâtre. Voilà. Oui. Voilà, voilà oui. Au cinéma. Ah ben, on va pas parler de l'âge ce soir, parce que j'avais une question, mais je n'osais pas vous la poser. Oh, si. Si, on peut parler de l'âge. Oh, oui, alors, parce que dans la pièce... Ça fait 50 ans que je travaille. Dans la pièce, les deux héros ont 71 ans, hein, pour Marguerite, elle a 71 ouais. ans dans la ouais. pièce, et 73 ans pour Émile. Oui. Et en fait, l'un et l'autre, vous avez 68 et 72 ans. Ça fait quoi de donner un coup de jeune à la pièce? C'est drôle. Sauf que Jean est trop pris par son smartphone. Vous l'avez sûrement piégé en train de tweeter parce qu'il ne fait que ça. Jean, contrairement à Harris, est un gros tweeter. Ah pas bon dans la pièce, hein, qu'on précise bien. Pardon, non, dans j'ai pièce, pas, non, pas dans la non, pièce, non. Non. Dans la vie. Non. Alors vous tweetez pour tout et n'importe quoi, Jean. Quand je suis énervé, quand j'ai un truc à dire. Alors par exemple, il y a un tweet là qu'on va montrer. Une obsession pour les gares. Alors d'abord, vous avez tweeté pour les toilettes en grève à Montparnasse. Oui. Alors pourquoi ça c'est... Parce qu'il n'y a pas moyen de faire pipi à Montparnasse. Quand on est allez, à Saint-Lazare. Mais c'est important. Ah oui, mais... c'est important de mettre ça sur les réseaux sociaux, Jean. Oui. Non, parce que tout le monde, parce qu'il y avait une espèce de rébellion. C'était une espèce de. C'était moi, je faisais un reporter social là-dessus. Les gens étaient très énervés. Les gens commençaient à pisser dans tous les coins. C'était extraordinaire. Et à Oudan, alors, dans les Yvelines, ils refont la gare. C'est... Pareil. Là, à Oudan, alors pareil. Distributeur de billets en panne. Vive le service public. Ah oui, on peut pas prendre de billets parce qu'il y a plus d'employés. Puis la gare est en travaux. Et ils font pas une gare, ils font une prison. Ils sont très, 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 très optimistes, parce que c'est la ligne de Dreux, tu vois, donc ils sont déjà... C'est vraiment, c'est très grave, les gares deviennent des trucs de cellulaire. Ou dans quoi? Hâte fermée. Ouais, fermé. C'est parce qu'en plus, il ne sait pas taper, il a des gros doigts sur son smartphone. Attends, hâte. Ou dans, gare. Non, gare. Oh, là. Il y a marqué hâte. Oui, mais ah, ça, c'est la projection qui... La mauvaise foi. Le chat, actuellement à l'atelier, avec Jean Benguigui et Myriam Boyer. Merci à tous les deux. Mis en scène par Didier Long, rappelons-le. Et je rappelle évidemment la sortie en librairie de Révélarge, signé François Gabart. C'est chez Stock. La face crachée de Marine Le Pen, signé Rhys, Richard Malka et Saïd Maram, qui est journaliste au Point, spécialiste du Front National. Voilà, c'est pour la touche sérieuse de l'information. C'est chez Grasset. Le 19 octobre prochain, Mal de Pierre sort dans les salles de cinéma. Un film réalisé par Nicole Garcia, ici présente avec Marion Cotillard, Louis Garrel et, aidez-moi à chaque fois, Alex Brandeville. Voilà, excellent. Il est incroyable cet acteur espagnol. Bravo pour le casting et bravo pour l'esthétisme de ce film que nous vous conseillons. Merci à tous et à toutes. Bonne nuit ou bonne fin d'après-midi, en fonction qu'on soit samedi soir ou dimanche. Mais en tout cas, au week-end prochain.